franchi pas que les tarés. Je pense souvent à la vie, j'aimerais l'avoir décollé. Mais ce qui compte, c'est la santé, oui, c'est la santé. Je voulais rentrer au G8, mais je suis un Africain. Construire des bolides, mais je suis un Africain. Donner mon avis, mais du poids, j'en ai aucun. Ils m'ont vidé de sang, faut comprendre, c'est les requins. Ne doute pas, j'ai dû donner, j'ai senti de loin. Étant donné que j'ai un gros nez, quand on est plein. Partager sans nous connaître, généreux résultat. Toutes nos terres sont volées. Bloquer les papiers, bloquer les distresses. Ne parle pas comme si j'étais d'une autre espèce. Pour tous les Africains d'Europe au state, qui rêvent de rouler dans des grosses caisses. Je veux voir un Africain dans l'espace. Je veux voir l'Afrique à genoux. En attendant que les problèmes s'assassent. S'il y a un marché, appelez-nous. Ne jugez pas, chaque main est comme il est. Pas quand elle n'est pas mouillée. J'ai les cheveux plus pour les dominer. Ils nous ont divisés pour mieux nous dominer. Ils nous ont séparés de nous faire les oubliés. Garde le sang, mon gars, les mecs, c'est quoi les bails? L'Africain déterminé m'a dit qu'il open eyes. Quand il parle de l'Afrique, c'est pour citer le nom des plages. Je suis victime d'un faux départ, ouais. Non, vous n'en pas les lots. Ils m'ont tellement de choses. Ils te diront la vie, c'est dangereux. Mais tout ça, c'est des mots. En attendant, moi, je joue poulot cette semaine. Je du taf toute la semaine. J'en veux tellement quitte à bousiller mes sacs, mes semaines. Ouais, je du job cette semaine. Ha! Et j'en veux beaucoup. Oh, oh. J'ai pas trop pour mais je rêve de soulever la coupe. Je garde le sourire malgré que j'avance dans le doute. J'ai vu toutes sortes d'épreuves venir se poser sur ma route. C'est sûr que je vais t'en vouloir si je te vois cracher dans la soupe. Je suis africain, m'en veux pas d'être un peu trop rêveur. Prisonnier d'un reste forever. Oui, je suis insolite souvent, je tiens qu'avec du maro. Et si l'aîné n'a pas, j'y mettrais plus quelque chose tarot. Je laisserai pas mettre KO comme le Juppé trop chez Saro. Yeah. M'appelle Mamadou, y'a pas plus cramé. Je viens manger chez moi, pas besoin de programmer. Où est le drame? Si tu fais moi que c'est le neveu d'Abdraman. On a évolué, tout ça grâce à tout ce qu'on a appris dans la matrasa. Quand on se comportera le brassard, le jour où la paix nous embrasse. Afrique, ne jugez pas, chaque main est comme il est. C'est du millier, et tous les jours mes femmes meurent pas quand elles n'est pas mouillée. J'ai les cheveux plus, je pourrais pas les dominer. Ils nous ont divisés pour mieux nous dominer. Ils nous ont séparés de nous faire les endiguer. Ne jugez pas, chaque humain est comme il est. Je vais marcher sur la lune, mais la voie c'est du millier. Et tous les jours mes femmes meurent pas quand elles n'est pas mouillée. J'ai les cheveux plus, je pourrais pas les dominer. Ils nous ont divisés pour mieux nous dominer. Ils nous ont séparés de nous faire les endiguer. Je voulais marcher sur la lune, mais je n'étais qu'un Africain. Je voulais avoir des biens, mais je n'étais qu'un Africain. Je voulais marcher sur la lune, mais je n'étais qu'un Africain. Je voulais avoir des biens, mais je n'étais qu'un Africain. Je voulais marcher sur la lune, mais je n'étais qu'un Africain. Je voulais avoir des biens, mais je n'étais qu'un Africain. Je voulais marcher sur la lune, mais je n'étais qu'un Africain. Je voulais avoir des biens, mais je n'étais qu'un Africain. Oui, ce message est pour vous, Monsieur Emmanuel Macron, président de la France. Mais en réalité, le roi de la France-Afrique, le roi de la mafia de la France-Afrique. Mon pays, le Congo-Brazzaville, subit depuis les temps des temps, une dictature qui vient depuis de l'Élysée, mais qui a exterminé des millions et des millions de Congolais pour les richesses du sous-sol du Congo, dont vous prenez immensément. Nous allons écouter d'abord quelque chose avant que je puisse continuer à débattre avec vous. Monsieur le roi de la mafia, Emmanuel Macron, roi de la mafia de la France-Afrique, qui fait à ce que le peuple africain, tous, subissent la dictature de l'Élysée. Et cette dictature de l'Élysée tue immensément le peuple africain, plus que Ebola, plus que le sida, plus que le paludisme et autres grandes maladies. Nous allons écouter d'abord quelque chose de grand.
avant de continuer. Oui, bonjour monsieur. Excusez-moi, je suis monsieur Moutou. Pourrais-je avoir monsieur Paris, s'il vous plaît, département Afrique. Oui, bonjour, je suis monsieur Nitou. Pourrais-je avoir monsieur Paris, s'il vous plaît. Non, monsieur Paris n'est pas disponible pour le moment. Il est en entretien. Je peux vous laisser un message? Tout à fait, monsieur Nitou Roland Lévy. Je suis du Congo-Brazzaville, je suis président d'une association. Je vous appelle suite à la venue de monsieur Sassou Nguesso sur la place de Paris. Oui. Donc, je trouve quand même anormal que vous invitez une telle personnage qui est depuis longtemps au pouvoir, qui s'est toujours maintenu par la force. Et vous-même, vous savez que ce soit monsieur Paris qui est votre responsable, que monsieur Sassou n'a jamais gagné aucune élection au Congo-Brazzaville. Et que le vainqueur de l'élection présidentielle, c'est le général Moukoko, qui est en prison, et que la population congolaise croupisse de la misère depuis tant d'années. Alors moi, je ne comprends pas quelle est cette politique exactement de pouvoir inviter des dictateurs, des gens qui gardent toute la richesse pour eux et pour leur famille, et vous leur invitez ici, vous leur déroulez le tapis rouge. C'est quoi votre politique exactement? Vous trouvez cela normal? Nous ne sommes pas d'accord. Nous, les Congolais, ne sommes pas d'accord, monsieur. Nous ne sommes pas d'accord. Parce que... Bien sûr, je vis en France, oui. Donc, la France vous accueille. Oui. Vous êtes français. Je ne suis pas français. Je ne suis pas français, je suis congolais. Bon, alors, vous êtes accueilli en France. Oui. Si le président de la République souhaite inviter son homologue président de la République, nommé président en tant que tel, il a le droit de le faire. Et il le fait s'il a des bonnes raisons de le faire. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, M. Paris, il n'y a pas d'exécuté de ça avec vous. Monsieur Paris ne s'occupe pas des relations avec les associations. Si vous avez des mécontentements à notifier, vous pouvez écrire soit directement au président sur le site internet, soit lui envoyer un courrier. Et au niveau association, moi je vous invite à prendre attache avec le responsable du Congo-Brazzaville au ministère des Affaires étrangères en appelant le standard du ministère des Affaires étrangères et en demandant la direction africaine. C'est ce que nous avons fait à plusieurs reprises. On n'a jamais été reçu, on n'a jamais été entendu. Le président de la République nous l'avait envoyé. Excusez-moi. Nous allons reprendre ce truc parce que il y a eu une coupure, c'est pas normal. On a besoin de tout ce truc. C'est très important.
Bonjour et bienvenue à tous. Malgré ce que l'on peut croire. Oui, bonjour monsieur. Excusez-moi, je suis monsieur Nitou. Pourrais-je avoir monsieur Paris, s'il vous plaît, département Afrique. Oui, bonjour, je suis monsieur Nitou. Pourrais-je avoir monsieur Paris, s'il vous plaît. Non, monsieur Paris n'est pas disponible pour le moment. Je peux vous laisser un message? Tout à fait, monsieur Nitou Roland Lévy. Je suis du Congo-Brazzaville, je suis président d'une association. Je vous appelle suite à la venue de monsieur Sassou Nguesso sur la place de Paris. Oui. Donc, je trouve quand même anormal que vous ayez invité une telle personnage qui est depuis longtemps au pouvoir, qui s'est toujours maintenu par la force. Et vous-même, vous savez que ce soit monsieur Paris qui est votre responsable, que monsieur Sassou n'a jamais gagné aucune élection au Congo-Brazzaville. Et que le vainqueur de l'élection présidentielle, c'est le général Moukoko, qui est en prison, et que la population congolaise croupisse dans la misère depuis tant d'années. Alors moi, je ne comprends pas quelle est cette politique exactement de pouvoir inviter des dictateurs, des gens qui gardent toute la richesse pour eux et pour leur famille, et vous leur invitez ici, vous leur déroulez le tapis rouge. C'est quoi votre politique exactement? Vous trouvez cela normal? Nous ne sommes pas d'accord. Nous, les Congolais, nous ne sommes pas d'accord, monsieur. Nous ne sommes pas d'accord. Parce que... Et bien sûr, je vis en France, oui. Donc, la France vous accueille. Oui. Vous êtes français. Je ne suis pas français. Je ne suis pas français, je suis congolais. Bon, alors, vous êtes accueilli en France. Oui. Si le président de la République souhaite inviter son homologue président de la République, nommé président en tant que tel, il a le droit de le faire. Et il le fait, s'il a des bonnes raisons de le faire. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, M. Paris, s'il n'a pas discuté de ça avec vous, parce que M. Paris ne s'occupe pas des relations avec les associations, si vous avez des mécontentements à notifier, vous pouvez écrire soit directement au président sur le site internet, soit lui envoyer un courrier. Et au niveau association, moi, je vous invite à prendre attache avec le responsable du Congo-Brazzaville au ministère des Affaires étrangères, en appelant le standard du ministère des Affaires étrangères et en demandant la direction Afrique. C'est ce que nous avons fait à plusieurs reprises. On n'a jamais été reçu, on n'a jamais été entendu. Le président de la République nous avait envoyé des courriers à plusieurs reprises, que ce soit aussi au ministère des Affaires étrangères. Vous êtes une association, monsieur. Vous êtes une association. Nous traitons des affaires. Il y a un conseiller Afrique adjoint et deux assistants. Donc nous ne traitons pas les entretiens avec les associations. En faisant partie de la société civile, en tant que Congolais que nous sommes, vous avez quand même le droit de nous entendre. Pourquoi vous ne voulez pas voir la réalité au Congo-Brazzaville? Adressez-vous, monsieur, au ministère des Affaires étrangères qui traite cela, et si eux pensent que c'est nécessaire, et seulement s'ils pensent que c'est nécessaire, ils vous renverront vers nous et on prendra contact avec vous, seulement si ils pensent que c'est nécessaire de vous entendre. Mais moi, ce que je voulais rajouter, vous savez bien qu'au Congo-Brazzaville, M. Sassou Nguesso n'a jamais acquis la légitimité du peuple congolais, qui s'est toujours maintenu par la force. Comment les tels personnages qui font souffrir leur population, qui maltraitent la population, et que vous leur recevez, vous leur déroulez le tapis rouge. La France n'est pas là pour donner des leçons au pays. Non, vous faites des demandes de leçons. Mais qui n'a jamais été respecté au Congo-Brazzaville. Vous savez bien que M. Sassou Nguesso est un dictateur. Vous le savez bien. M. Paris, qui est quand même votre responsable, il le sait bien ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Qu'il y a des prisonniers politiques. Bien informé sur
Exactement, mais pourquoi vous le recevez encore? Pourquoi vous le recevez? Puisque vous savez que c'est un dictateur. Et ce type-là détourne l'argent public du peuple congolais. Tout comme ses enfants le font aussi. Vous devez avoir quand même honte de recevoir de tels personnages sur la place de Paris. Mais nous, nous faisons partie de la société civile. Nous avons quand même un mot à dire sur la situation du Congo-Brazzaville. Vous ne voulez pas nous entendre. Nous avons envoyé des courriers au président de la République. Il ne veut pas nous entendre. Et vous le recevez ici en France, vous le déroulez le tapis rouge. Vous savez bien que la population congolaise croupit dans la misère. Au Congo-Brazzaville, les enfants n'ont même pas de bancs dans les écoles. Dans les hôpitaux, les gens n'ont même plus de médicaments pour se soigner dignement. Ah ben voilà, mais puisque vous connaissez la source du Congo-Brazzaville, mais pourquoi vous recevez encore de tels personnages? C'est pas un président ce monsieur-là. Non, vous l'avez nommé, la France l'avait nommé. C'est pas par la volonté du peuple congolais qu'il est là, c'est la France qui l'avait nommé, ce monsieur Sassou Nguesso-là. Et voilà, et là il est à l'hôtel Bristol. Alors vous savez, la nuitée à l'hôtel Bristol, ça coûte quand même cher. Hein? Oui. Avec cet argent-là, on peut quand même payer les bons. Aux enfants qui sont assis même au sol. Au Congo-Brazzaville. La France a des leçons à donner, La France a toujours encouragé les dictateurs de les maintenir au pouvoir pour mieux piller les richesses, comme au Congo-Brazzaville. Le pétrole congolais, vous l'achetez pas, vous le prenez gratuitement. Toutes les richesses au Congo-Brazzaville, vous les prenez gratuitement parce que vous avez nommé un dictateur, vous l'avez imposé. Voilà, on échange. Non, on échange, vous criez à l'immigration tout le temps. C'est tout ce que vous faites dans les médias. Vous criez à l'immigration. On échange. Tout ce que nous vivons, c'est l'ingratitude de la France. C'est tout ce que nous connaissons. Vous mettez les dictateurs en Afrique et après vous criez à l'immigration. Mais vous savez bien ce qui est à l'origine de cette immigration, c'est le fait que vous êtes pris les dictateurs. Si vous n'êtes pas bien en France, je vous invite à retourner au Congo. Hein. Ah mais retournez au Congo avec un dictateur que vous avez nommé, avec celui-là qui garde la richesse pour lui et pour ses enfants. Je suis monsieur Nitou, moi j'ai pas eu peur de vous le dire. Mon nom c'est monsieur Nitou Roland Lévy, je me suis présenté. Dites à votre responsable, monsieur Paris. Je ne lui passe le message. Bon, ben voilà. Une petite question. Est-ce que votre ministre des Affaires étrangères, monsieur Le Drian, vous le trouvez quand même normal, qui va souvent au Congo-Brazzaville pour aller rencontrer monsieur Sassou Nguesso, donc des visites privées, vous trouvez cela normal? Nous les Congolais, on s'est dit, il n'est plus le ministre des Affaires étrangères, mais plutôt le ministre des Affaires criminelles. Parce que je soutiens le dictateur, il va souvent voir monsieur Sassou Nguesso en privé au Congo-Brazzaville. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Quel est vraiment... Voilà. Nous avons écouté. Nous avons écouté Roland Nitou. Il s'est exprimé avec un agent de la France-Afrique, la mafia. Oui, la mafia. Monsieur Emmanuel Macron, trouvez-vous normal? Trouvez-vous normal que la situation du Congo-Brazzaville, on tue des Congolais chaque jour pour que vous pillez immensément les ressources du sous-sol du Congo? Trouvez-vous normal qu'un criminel puisse mettre ses pattes en France? Est-ce que c'est normal? Je ne dirais pas ses pieds, mais ses pattes. Et vous lui mettez un tapis rouge. Monsieur Macron, êtes-vous normal? Êtes-vous vraiment normal? C'est quoi le problème de la France, monsieur Macron? Tous les minéraux du Congo doivent aller à la France. Mais ça veut dire quoi? Le peuple congolais doit subir les conséquences d'une dictature machiavélique. Tout le temps, génération par génération, sacrifié pour la France de merde. Toutes les richesses du Congo, direction la France. Les bois du bassin du Congo. Chez moi, il y a une grande forêt. On coupe les arbres 24 heures sur 24, direction la France.
le pétrole, direction la France. Arriva, vole l'uranium au Congo-Brazzaville, direction la France. Arriva, vole l'uranium au Congo-RDC et dans le reste de l'Afrique, direction la France, direction toute l'Europe, direction les États-Unis. Le peuple africain, au 28e siècle, il n'y a pas l'électricité pour tous. En Afrique, il n'y a pas l'eau potable pour tous. Au 28e siècle. En France, jamais un chef d'État en France a été assassiné. Mais au Congo-Brazzaville, on a tué le président Marie Ngouabi. Au Congo-Brazzaville, on a tué le président Massamba Déba. Deux grands présidents tués. Par qui? La mafia de la France-Afrique. La France-Afrique, oui. L'Élysée a donné le feu vert. Depuis, l'Élysée a donné le feu vert pour qu'on les tue. Et qui a tué? Qui a tué nos deux braves présidents? Sassou Nguesso. L'homme que vous recevez à l'Élysée. L'homme que vous aimez à l'Élysée. Parce que pour vous, Monsieur Macron, toutes les pierres précieuses, toutes les richesses du Congo à la famille Nguesso et à vous, monsieur Macron. Oui, vous êtes le roi de la France-Afrique. Vous êtes le père de la mafia. Celui qui vole éperdument toutes les richesses du Congo-Brazzaville. Vous êtes celui qui a sacrifié génération par génération. Y'en a marre. Les peuples africains souffrent trop. Pour vous, monsieur Emmanuel Macron, le pétrole du Congo, c'est à vous. Pour vous, monsieur Emmanuel Macron, les Congolais de Brazzaville, tous des esclaves. Pour vous, monsieur Emmanuel Macron, roi de la France-Afrique, tous les Africains en Afrique, tous des esclaves. Pour vous, monsieur Emmanuel Macron, vous suivez les directives du général de Gaulle. Qui dit général de Gaulle dit la politique hitlérienne. Car général de Gaulle a amené le franc CFA à partir de ce qu'il a eu comme idée de Hitler. Parce que pendant l'occupation de Hitler, Hitler avait mis une monnaie seule en Europe pour pouvoir payer l'argent de l'Europe et de l'amener en direction de l'Allemagne. Donc, général de Gaulle a eu l'idée du franc CFA à partir de son frère Hitler. Qui dit Hitler, dit général de Gaulle. Qui dit général de Gaulle, dit Léopold II. Voilà. L'Afrique devient la plateforme de la France. Mais monsieur Emmanuel Macron, un pays comme la France, à partir des raisins, parce que vous avez que des raisins. Vous avez les raisins, vous avez les fruits des pommes. Mais avec la pomme, avec les raisins, vous arrivez à contrôler toute l'Afrique. Je me pose la question,
Comment vous arrivez? Comment vous arrivez? Avec rien que la pomme et les raisins, vous arrivez à contrôler toute l'Afrique. Monsieur Macron, comment vous arrivez? Comment vous arrivez? Mais je vais vous dire comment vous arrivez avec toutes les marionnettes que vous avez nommées. Nommé président en Afrique. Mais ils ne sont pas des présidents. Pour vous, ce sont des marionnettes. Car la charte impérialiste le dit très bien. Et ces dictateurs oppriment au maximum, génération par génération. Toutes les générations sont sacrifiées en Afrique. Au Congo-Brazzaville, là où ce que je suis né, dans mon pays, les Congolais n'ont pas d'eau potable. Au Congo, tout ce qui est envoyé à l'extérieur du pays, on les envoyait à l'extérieur pour aller étudier. En Russie, au Maroc, aux États-Unis. Et en Algérie, en Chine, partout, ils ont envoyé des Congolais de Brazzaville. Ils ne touchent pas de bourse. Tout l'argent que Sassou détourne, direction l'Élysée. Une grande partie, Sassou les planque dans des banques en France. Car Sassou, il a 127 comptes. Entre 126 à 127 comptes en France. Monsieur Macron, vous êtes président à l'Élysée, mais au fait, vous n'êtes pas juste le président de l'Élysée, mais vous êtes le roi dictateur de la France-Afrique. Vous sacrifiez immensément des vies. Les multinationales qui vont en Afrique, Congo-Brazzaville et dans le reste de l'Afrique, pillent immensément les richesses du sous-sol. Aucun Africain ne bénéficie des richesses du sous-sol. Tout va en direction de la France et des restes de l'Europe, ainsi que des États-Unis et Israël. Mais Monsieur Macron, jusqu'à quand l'Afrique sera la serpillière de la France et de toute l'Europe et de tous les restes des pays? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand les Africains continueront-ils à perdre leur vie? Car pas mal des Africains sont tués en Afrique pour le jeu de la France. Car la France veut tout avoir pour eux, rien pour les Africains. Mais Monsieur Macron, jusqu'à quand le cinéma va durer? Jusqu'à quand la France va nommer des présidents en Afrique pour envoyer les peuples africains dans l'abattoir de la mort? Jusqu'à quand la France continuera avec sa politique mesquine, une politique bananière, une politique pour exécuter au maximum les peuples? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand les Africains vont-ils continuer à gober les mascarades des jeux de la France? Jusqu'à quand nous allons continuer à accepter les jeux de la France? Jusqu'à quand nous allons continuer à accepter tout ce que la France nous impose, tout ce que la France veut des pays africains? Jusqu'à quand les Africains seront-ils des moutons, moutons esclaves de la France? Jusqu'à quand? Monsieur Macron, nous avons tellement vu, nous avons tellement entendu, mais Monsieur Macron, il y en a marre. Il y en a marre.
Aujourd'hui, je veux vous montrer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Parce que les Africains ont compris. Les Africains ne sont pas bêtes. Nous allons voir ici le blocage. Les Africains commencent à bloquer l'armée française. Parce que les Africains ne sont pas cons. Ils ont compris. Nous avons dit que personne n'est pas là. Voilà. Tenez un instant. Nous avons dit que personne n'est pas là. Donnez un instant. Ça vient et ça repart. Ah, vraiment cette technologie. D'accord, j'ai compris ce que je veux faire. Redémarrer le système. Ah là 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 là. Incroyable.
Donc voilà, en Afrique, les Africains ont pris la décision maintenant d'empêcher l'armée française de se déplacer. Ils les bloquent. Ils les bloquent. Les Africains les bloquent. Parce que, au fait, ils les ont compris. Les gens en ont marre. Oui, monsieur le président Emmanuel Macron, les gens en ont marre. Marre des marre. Et l'Afrique ne va pas continuer à subir la maltraitance de la France. La France a tellement fait du mal, génération par génération, sacrifiée. Les Congolais qui viennent en France, il y a pas mal qui demandent l'asile politique, dont on refuse de leur donner l'asile politique. Et pourtant, ils ont le droit d'avoir cela. Mais qui place des dictateurs? C'est vous. Qui donne les armes? La France. Oui. Parce que Sassou Nguesso qui est au Congo, qui tue immensément, qui fait souffrir le peuple, vous le recevez, M. Emmanuel Macron, parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Vous aimez l'argent. Vous aimez l'argent plus que la vie humaine. C'est pas pour rien. En France, vous avez tous les gilets jaunes dehors. Parce que vous êtes un président égoïste. Un président qui veut tout avoir pour lui et pour tout son gouvernement et pour toute la mafia des députés de l'Assemblée nationale et les sénateurs. C'est incroyable ce qui se passe en France. C'est une honte pour un grand pays comme la France. Une honte. La France, qui n'a pas de minerais, mais qui a que des fruits, les pommes, les raisins et les framboises. Mais la France arrive à manipuler l'Afrique centrale et le reste de toute l'Afrique. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Et ce cinéma, M. Emmanuel Macron, ne peut pas perdurer. Ça ne peut pas perdurer, M. Emmanuel Macron. Parce que nous qui connaissons les réalités des choses, nous qui connaissons, nous en avons marre et marre. La mafia doit finir. Et il faut que ça finisse. La mafia doit finir. Et il faut que ça finisse. Nous allons écouter le grand professeur Pascal Lissouba. Pour dire que c'est enfin cette question de génocide qui nous pend au nez, au mieux, mais au pire, parce que je préfère mourir que de subir une colonisation. Monsieur Jean-Christophe Ruffin, qui a écrit L'Empire et les Nouveaux Barbares, dans son premier propos, dans son livre, les 25 premières pages, vous n'avez pas besoin de tout lire, vous lisez les 25 premières pages, je crois que vous êtes édifié. Il nous dit, bon, maintenant que l'Occident a détruit le communisme, il n'y a plus de. Il n'y a plus de. D'ennemis. Quel malheur. Quel malheur. Il y a nécessité d'avoir un ennemi, alors on va le créer. On n'a pas besoin de le créer, il est déjà là. Les barbares. Et voilà. C'est vous qui venez envahir chez eux. Vous venez perturber leur civilisation. Droit de sang. Écoutez. Mais oui, mais c'est comme ça que ce problème se pose. Alors, comment faire? Mais il faut s'organiser pour faire la guerre. Hier, c'était péril jaune. Aujourd'hui, c'est fait. Péril, c'est les barbares. Comment est-ce qu'on a résolu le péril jaune? Comment est-ce que les Japonais sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui? Réfléchissez bien. Réfléchissez un tout petit peu.
Péril Jaune. 45, ils ont eu droit à Hiroshima, la bombe atomique. C'est pas eux qui avaient déclaré la guerre à l'Occident. C'était Hitler. On aurait pu larguer la bombe A sur Hitler, non. Péril Jaune, on a largué la bombe là-bas. Ils en sont sortis fortifiés. Parce qu'ils avaient conscience qu'ils étaient en danger de mort, qu'on était prêt à les éliminer. Alors ils se sont affrontés. Cherchez bien en lisant l'Afrique en kimono, si vous avez le temps de le lire. Vous trouverez que, vous verrez quelque part, de temps en temps, cette notion de conscience, de leur bien-être, de leur vie. La conscience qu'ils étaient menacés, l'instinct de conservation est revenu. Bien sûr qu'il y a des aspects culturels, bien sûr, mais il y a cette conscience-là. Et ils se sont épuisés en eux-mêmes, ils ont puisé en eux-mêmes toutes les ressources de leur créativité, de leur génie. Et les voilà, petit à petit, ils ont mis en place ce qui fait d'eux aujourd'hui. Situé aujourd'hui parmi les plus puissants du monde. Il y a eu la bombe atomique. Quel est le type de bombe qu'on nous réserve? À nous. Quelle est technologie? Elle risque d'être technologique. C'est pour cela que j'ai insisté sur la science et la technologie tout à l'heure. Et il y a tout lieu de penser qu'elle sera technologique. Un de mes directeurs à l'UNESCO, patron à l'UNESCO, Matambo pour ne pas le nommer, me disait que il y a trois semaines, nous nous sommes trouvés au Maroc avec lui. Il me disait que j'ai toutes les raisons de penser que le sida nous a été fabriqué par une petite manipulation génétique. Bon, bien sûr, en tant que généticien, je mets tout ça un peu au machin, mais enfin, il y a des moments où on se demande. Mais je n'ai pas besoin de faire de cette gymnastique. Il me suffit de prendre un ou deux cas et de vous les livrer. Gardez-le pour vous. Cherchez, pour ceux qui sont dans le domaine médical, ok, essayez de voir ce qu'il en est. Vous avez une molécule qui s'appelle la RU486, qui est une molécule anticonceptionnelle. Comme disent les anglo-saxons, like vaccine. Donc, votre épouse peut le faire comme un vaccin. Pendant 9 mois, docteur. Pendant 9 mois, votre femme est comme si elle était en grossesse. Elle n'est pas en grossesse, mais tout se passe comme si elle était en grossesse. Donc, tout est bloqué. Bravo, la science. N'est-ce pas? Mais, docteur, quel est l'âge de la ménarche? Chez les Africains. C'est autour de 11-12 ans. Imaginez maintenant, docteur, que vous vouliez éviter à ces jeunes personnes, 11-12 ans, les affres de maternité précoce. Et vous leur donnez cette molécule. Êtes-vous sûr du résultat? Ne pensez-vous pas que ça va entraîner des désordres absolument insoupçonnés, car tout va être bloqué, alors qu'à cet âge-là, tout le système, tout le tractus se met en place. Et tout ceci va être stoppé. Et à 18 ans, cette femme se retrouvera sans sein, ou pratiquement peut-être même sans ovaire ou sans utérus, et on dira que c'est l'oncle qui a jeté un mauvais sort. Vous avez organisé là un génocide, mais absolument crime parfait.
Voilà, t'as. Et la RE486, ils sont en train de se battre avec les Américains pour leur donner. Les Américains refusent, vous le savez. Je vais vous donner un autre exemple, idiot. Le manioc, toujours le manioc. Ah, mais parce que j'étais toujours le manioc, parce que tout ce qui touche le manioc, je ne peux pas rester insensible. Aujourd'hui, on a trouvé un manioc, une variété de manioc, par manipulation génétique, qui résiste aux piqûres de criquet. Mange la feuille, règle. Ceci parce que, par manipulation génétique, on a mis un petit gène qui a sécrété une enzyme qui bloque la synthèse des protéines chez le criquet. Mais cette synthèse, en termes techniques, excusez-moi, est-elle spécifique au criquet? On me répond non. Or, le manioc, les feuilles de manioc. C'est pas le sakasaka, c'est pas le pondou. Et alors, que peut-il arriver? Une bonne petite manipulation génétique. On vous donne les clones de manioc qui sont productifs, mais il est beau, hein, ce manioc. Bien sûr, puisque personne ne peut le toucher, même pas le criquet. Voilà ce qui nous pend au nez. Alors, étonnez-vous que votre président ait pris un certain temps à ne pas rentrer au pays vite, 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 parce que nous avons ces programmes-là à essayer de gérer au niveau du continent d'abord, et peut-être même au niveau de notre... Voilà, nous avons écouté le professeur Pascal Lissouba. Il a tout dit. Mais l'Afrique va mal. Et quand nous regardons, pourquoi l'Afrique va mal? À cause de la mauvaise politique de la France. Mais est-ce que nous allons continuer à regarder cette mauvaise politique? Je crois non. Je crois non. Il est temps que nous sortons de l'imbécilité des jeux de la France-Afrique. Nous allons écouter quelque chose de très important. Alors, il y a deux problèmes qui vous ont... Oui. Deux conflits en Afrique qui vous sont restés en travers de la gorge. Oui, il y a le conflit ivoirien. Oui. Il y a le conflit ivoirien. D'ailleurs, je vois, il y a M. Elgué Kadé, professeur en Côte d'Ivoire, je crois qu'il est à Abidjan, qui dit qu'il est en train de vous suivre avec beaucoup d'intérêt. Docteur Pougala, vous êtes un digne fils de l'Afrique. Une question, avec ce qui est arrivé à M. Gbagbo en Côte d'Ivoire, et ce qui arrive à Kadhafi, et vu l'émergence des dirigeants africains à la solde de l'Occident, croyez-vous encore au panafricanisme? Absolument. Je crois. Et aujourd'hui, les difficultés que les Occidentaux ont eues en Côte d'Ivoire, les difficultés qu'ils sont en train d'avoir en Libye, c'est parce que, regardez un peu ce qui s'est passé, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Libye. Madame Hillary Clinton a fait le tour d'Afrique pour demander aux Africains de renvoyer les ambassadeurs libyens. Mais ça ne s'est pas fait. Donc, quoi qu'on dise, les États-Unis d'Afrique, ça marche. Non, mais la crise ivoirienne est restée de travers pour un motif simple. Comment voulez-vous que des pays qui se disent démocratiques, c'est là où j'ai dit dans mon article libyen que la démocratie n'existe pas, aillent organiser des élections dans un pays coupé en deux? Ça ne se fait pas. Où vous êtes capable de réussir l'unité du pays? Non, dans cet article, je mettais au défi M. Choi ou bien Ban Ki-moon. Ils viennent tous de la Corée. Le pays est divisé en deux. Est-ce qu'ils imaginent aujourd'hui de faire une élection entre les deux Corées sans l'unification? C'est ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Donc faire une élection sans unification, ça veut dire qu'on avait déjà prévu le gagnant. Voilà, on avait déjà prévu le gagnant. Deuxièmement, comment est-ce qu'on peut faire une élection avec une des parties armées? C'est dit aux autres demain, avant de vous présenter aux élections présidentielles, munissez-vous d'une bonne armée. Mais quel est ce message? Parce que vous avez dit en filigrane, vous dites que on a dépensé 300 millions de dollars, oui, pour organiser les élections, oui, en Côte d'Ivoire.
et que cet argent, pour vous, c'est de la pure perte, on aurait pu construire des routes, des hôpitaux avec. Exact. Parce que je ne crois pas au suffrage universel. Comment ça explique vous cette théorie-là? Alors, le suffrage universel, c'est de dire que on nous a bourré la tête en disant que l'Afrique devait se développer à partir du moment où on allait voter. J'ai dit, ça, c'est de la pure propagande. Le vote ou le non-vote ne va pas changer la réalité en Afrique. La réalité en Afrique change à partir du moment où nous prenons conscience des enjeux du monde, mais pas seulement en Afrique. À partir du moment où nous prenons conscience que nos parents ont été trompés, et comment ils ont été trompés, à partir du moment où ils sont capables de comprendre les pièges du système, c'est ce qui va nous aider à nous développer. Ce n'est pas aller voter. Voter ou pas voter, ça ne va rien changer. C'est ce que je soutiens. J'ai donc pour preuve, en Chine, on ne vote pas. Et tous ces pays qui disent que c'est le vote qui va développer, c'est eux qui vont demander de l'argent en Chine. Comment alors ils expliquent ça? Donc, c'est une belle question que c'est à eux de répondre. Donc, le suffrage universel, chaque pays invente son modèle de démocratie. On ne peut pas prétendre qu'en Afrique, on va transposer autre chose. Je vous donne un exemple. Monsieur Chirac, il était président de la France. Il a été accusé d'emploi fictif. On l'a voté pendant 16 ans. Pendant 16 ans, il a créé des emplois fictifs. C'est bien la démocratie. Son parti est accusé de bourrage des urnes. Monsieur Juppé, qui est ministre des Affaires étrangères, a écopé un an d'éligibilité. Il est allé au Canada. Lorsqu'il revient après un an, il contraint le maire de Bordeaux à démissionner pour lui redonner son siège de maire. Alors que la population de Bordeaux a voté celui-là. Donc, est-ce que ce sont ces gens qui vont venir nous enseigner que c'est le vote qui va changer notre destin? J'ai dit non. Ils l'ont juste utilisé comme une énième propagande et instrument de diversion. C'est un instrument de diversion de nos propres problèmes. Parce que quand je parcours l'Afrique, je suis allé dans 22 pays en Afrique. Vous, c'est-à-dire qu'on gaspille le temps qu'on aurait pu parler des vrais problèmes. Une élection, on discute d'une élection pendant un an avant que les élections n'aient lieu. On discute un an après que les élections aient eu lieu. Et pendant ce temps, les problèmes du pays restent intacts. Donc, ça a été une manœuvre pour nous détourner de nos vrais problèmes. Vous ne pensez pas qu'il y a des pays aussi où la démocratie se passe comme en Occident et ça marche? On cite souvent le Ghana, par exemple. Oui. On dit au Ghana, il y a la démocratie, bonne gouvernance, le pays avance. Et je vous mets au défi de me montrer un pays européen qui a le même système que son voisin. En Suisse, lorsqu'on vote, on vote à la fin, les perdants et les gagnants gouvernent ensemble. Ça, c'est le modèle suisse. Vous n'avez pas d'opposition. Donc, dans l'administration fédérale suisse, c'est les perdants et les gagnants. Ça, c'est leur modèle. Or, ce qu'on veut nous transposer en Afrique, ou tout au moins l'Afrique francophone, c'est le modèle français. Ce qu'on veut transposer en Afrique anglophone, c'est le modèle anglais. Donc, on est dans une continuité de la colonisation. Vous pensez que quel est le modèle qui peut être adapté au pays africain? Il n'y a pas de modèle qui peut être adapté. Dans mon article sur la Libye, Jean-Jacques Rousseau donne quatre conditions pour qu'il y ait la démocratie. Et à la fin de ces quatre conditions, il dit, s'il existait un peuple de Dieu, ce peuple pourrait être gouverné démocratiquement. Comme il n'y a pas de peuple de Dieu, et la démocratie n'existe pas. Ça n'a jamais existé, ça ne va jamais exister. Donc, la démocratie, c'est un idéal, c'est un processus. Et chaque pays, avec les crises restent toujours des acquis pour le processus démocratique d'un pays. C'est pour ça que j'ai trouvé effarant qu'on fasse une guerre en Côte d'Ivoire pour venir installer quelqu'un au pouvoir sous prétexte qu'il a été élu. C'est ce que j'ai trouvé défarant. Alors qu'au même moment, vous avez au Myanmar ou en Biélorussie. La Biélorussie, c'est l'Iran. Il y a un monsieur, Loukachenko, qui a dit qu'il a gagné les élections avec 90%. Le lendemain, il l'a mis en prison tous les partis d'opposition. L'Union européenne n'a pas réagi. Mais en Côte d'Ivoire, ça s'est passé le même mois en Côte d'Ivoire. Loukachenko, c'était un mois après les élections ivoiriennes. Mais les Européens n'ont pas vu.
Alors, pour le cas de la Libye, par exemple, mm-hmm. vous avez écrit deux lettres, hein, une lettre à Barack Obama pour la guerre qu'il est en train de mener en Libye. Oui. Et vous avez écrit une autre lettre pour expliquer les vraies raisons du conflit en Libye. Mm-hmm. J'ai écrit cinq articles sur la Libye. Oui. La lettre de M. Obama, il m'a envoyé la réponse il y a deux jours. Il vous a répondu. Oui, il m'a répondu. Personnellement. Oui, personnellement. Et qu'est-ce que vous lui avez écrit? Là, je lui ai écrit une lettre de 10 pages. Dans laquelle vous dites quoi? Dans laquelle je retrace toute l'histoire commune entre les États-Unis et l'Afrique, entre l'Occident et l'Afrique. Dans cette histoire commune, nous avons toujours été les dominés et eux les dominants. Dans cette histoire commune arrive un homme qui s'appelle Lincoln, dont il se revendique. Sauf que Lincoln, qui est blanc, arrive à se mettre à la place des Noirs et abolit l'esclavage aux États-Unis. Donc il a un idéal de justice, de dignité humaine. En effet, il déclarera, je ne me suis jamais senti si bien que lorsque j'ai pris cette décision, l'abolition de l'esclavage. Le problème c'est quoi? C'est que lorsque Lincoln abolit l'esclavage aux États-Unis, ça entrera en vigueur après sa mort parce qu'il mourra de ça. Les esclavagistes du Sud sont plus riches que les industriels du Nord. Sauf que, après, ils ont inventé le taylorisme, le travail à la chaîne, qui a permis un gain exponentiel des industriels du Nord. Donc, pour la première fois dans l'histoire, l'industriel devient plus riche que l'esclavagiste, que l'agriculteur. Et ce qui donne des idées aux Européens. Qui organise la conférence de Berlin? Comment profiter soit des avantages de l'agriculteur que de ceux des industriels? Et c'est dans ce processus que nous sommes jusqu'à aujourd'hui. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils sont contraints de donner l'indépendance. Ce n'est pas qu'ils se sont levés un matin et ont dit « je vous donne l'indépendance ». Non, ils ont été contraints parce que les deux gagnants de la guerre, les États-Unis et l'Union soviétique d'alors, ils étaient contre la colonisation. L'Union soviétique pour des raisons idéologiques, contre l'impérialisme. Les États-Unis parce qu'ils étaient aussi un pays colonisé. Donc les deux étaient contre, ont poussé les États européens à décoloniser. Mais, sauf qu'ils le font pas vraiment. Donc vous le rappelez à Barack Obama. Je lui rappelle tout ça. Et que, comme cela sont contre l'indépendance, ils donnent une indépendance virtuelle. Et que nous sommes dans ce processus aujourd'hui, malgré cela, on a cherché comment contourner la domination qu'il y a en créant des institutions pour les États-Unis d'Afrique. Voilà. Et que lorsqu'il est arrivé, on s'est dit que c'était un fils d'Afrique. Que lui, au moins, il pourra nous comprendre. Lui, au moins, il sera de nos côtés. Et lui, il a choisi son côté, c'est d'être du côté des dominants. Et c'est ce que je regrette dans cette lettre. Et dans sa réponse, il m'a expliqué pourquoi il est entré en guerre. Il explique comment c'est parce qu'il y avait une résolution 1973, parce qu'il y avait un certain alarmisme sur les civils qu'il fallait protéger. Bon, quelque part, c'est qu'on l'a poussé à faire la guerre. Bon, donc, je ne veux pas trop en parler parce que comme je compte répondre officiellement à cette lettre. Parce que quand vous écrivez donc, publié dans les journaux. Oui. C'est bien ça. C'est bien ça. Parmi lesquels les journaux aux États-Unis. Oui, absolument. Ça a eu plus d'ampleur aux États-Unis. Et lorsque j'écris cet article, j'ai à cœur un élément. Lorsque le premier article sur la Libye est sorti, les vraies raisons de la guerre en Libye, je cible le Black Caucus. Le Black Caucus, c'est les parlementaires et sénateurs noirs américains qui sont réunis autour d'une association. Donc, j'envoie l'article à tous les 43 membres du Black Caucus qui reviennent même vers moi, surpris que la Libye, c'est un pays africain. Parce que, de tous les textes que M. Obama a donnés, c'est que la Libye était un pays du Moyen-Orient. Donc, ils sont surpris d'apprendre à travers mes textes qu'il s'agit d'un pays africain et que celui qu'on va bombarder en Libye, c'était quelqu'un qui travaillait au fond pour la libération de l'Afrique. Mmh. Donc, ils découvrent cela. Et dans les échanges que j'ai fait avec les députés américains, je me rends compte d'une ignorance de leur part. C'est-à-dire qu'on leur a servi une fausse histoire que nous les avions vendue, que les Africains les avaient vendus. C'est là où, dans la lettre Obama, je cherche maintenant à répondre que si nous avions été dominés pendant 500 ans,
quelle souveraineté, quelle autonomie on avait il y a 500 ans pour décider de vendre ou ne pas vendre quelqu'un. Donc ça, c'est le message que je cherche à donner, surtout au peuple noir américain. Donc quand vous écrivez votre lettre, M. Obama vous répond à vous personnellement. Il a répondu il y a deux jours. Parce que la lettre était envoyée depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai. Vous avez prédit, d'ailleurs je vais lire un mail là-dessus, c'est monsieur, est-ce que je vais retrouver ce mail? Il devait être du Nord Cameroun. Il dit que est-ce que vous n'êtes pas déçu parce que vous aviez prédit, il est à Maroua, Augustin. En parcourant votre site, vous semblez certain de la défaite de l'Occident en Libye, allant même jusqu'à projeter son déclin suite à ce fiasco. Au vu de la situation sur le terrain en Libye, regrettiez-vous d'être allé un peu trop vite en besogne? Le sixième article qui va sortir bientôt explique comment l'Occident a perdu en Libye, les conséquences de la guerre en Libye. Parce qu'en géopolitique, ce n'est pas l'information que vous avez qui compte, c'est l'ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le cinquième article, j'ai dit que l'Occident a perdu le jour où ils ont largué la première bombe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas nous les adversaires de l'Occident. Les adversaires aujourd'hui, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est le Brésil, les BRICS, c'est l'Inde. Comment? Les pays émergents. Voilà, ces pays émergents ont déjà pris le flambeau de la leadership mondiale. Comment ils voient ce mensonge? Parce qu'ils peuvent bien nous mentir, mais le problème, c'est que la Chine sait qu'ils mentent. Comment ils perçoivent cela? Dans le prochain article, je donne l'exemple, la Russie, qui a fait un article, qui a fait un accord START avec M. Obama, qui a décidé, à cause de la guerre en Libye, de se réarmer pour 617 milliards de dollars dès ce 2011. Parce qu'ils disent, M. Poutine dit, les bombes de l'OTAN deviennent une constante de la politique extérieure de l'Occident. Il faudra qu'on se prépare. Il y a quelques jours, la Chine a inauguré son premier porte-avions. Les États-Unis lui ont demandé à quoi ça vous fait un porte-avions. Il y a un avion furtif aussi. Il y a un avion furtif que j'avais déjà dans la crise ivoirienne. Dans la crise ivoirienne, j'avais dit le sous-titre. Est-ce que la Chine va accepter de financer l'Occident pour la combattre en Afrique? Et depuis le forfait ivoirien, regardez bien la concomitance de temps. Depuis le mois de mars, la Chine a exigé des États-Unis que les États-Unis remboursent 9,2 milliards chaque mois de l'argent que les États-Unis doivent à la Chine. Ça, c'est la fédération qui a donné cette information. Donc la Chine prétend qu'on lui rend son argent. Et avant les bons de trésor italiens, quand on sortait, la Chine prenait la moitié. Depuis, ils n'ont pas pris. C'est l'Union européenne qui a été obligée de racheter les bons de trésor italiens. D'où le début de crise qu'on commence à percevoir. Mais bien sûr. Tout ça est lié aux événements, à la diplomatie que mènent les Occidentaux en Afrique selon vous. Je vous conseille de lire, ceux qui nous regardent, pugala.org. Il y a l'article sur la Côte d'Ivoire. Le sous-titre était est-ce que la Chine, parce qu'il était évident, les Occidentaux n'ont pas d'argent pour faire la guerre à qui que ce soit. Pour qu'il aille faire la guerre, il faut aller emprunter l'argent à la Chine. Or, la Chine ne va certainement pas accepter. Donc, le fait que la Chine ait demandé de recevoir, d'encaisser chaque mois 9,2 milliards à un pays où, vous vous rappelez, dernièrement, quand le Congrès refusait à M. Obama d'augmenter le record de la dette, bon, ce n'est qu'une solution provisoire. Comment vont-ils faire pour rembourser 14 000 milliards de dollars de dette publique? Ça, c'est dette publique. La dette des ménages, c'est autant que 14 000 milliards de dette. Sans compter les têtes des entreprises américaines. Donc, avec ça, c'est pour ça que je conteste lorsqu'on dit qu'eux, ils nous aident. Ils n'ont rien pour nous aider. Il faut que ce soit vraiment clair là-dessus. Parce qu'ils vont demander de l'aide à la Chine. Et quand nous allons faire du lobby politique en Chine pour convaincre les Chinois pour venir investir en Afrique, ils font le tout pour venir nous convaincre de détester les Chinois, de haïr les Chinois. Dans cette lettre ouverte à M. Obama, je donne plusieurs éléments pour dire qu'ils n'ont pas, parce qu'il avait envoyé sa secrétaire d'État, qui était allé dire dans plusieurs déplacements en Afrique, notamment en Zambie, que les Chinois nous colonisaient. La question que je pose à M. Obama, c'est que la Chine a aidé les Américains pour 1440 milliards de dollars. Ça, c'est une information fournie par le département des finances américain. 1440 milliards de dollars.
que la Chine... Est-ce que la Chine colonise les États-Unis? C'est la question. Et nous, on a au total 94 milliards de dollars. L'Afrique a 94 milliards. Ma question à M. Obama, c'est qui est au fond colonisé entre nous et les États-Unis, pas la Chine? Celui qui a 94 ou celui qui a 1440 milliards? Ça, c'est la question que je lui posais. Donc, la manière avec laquelle vous voyez les choses, c'est la suivante. En fait, les États-Unis, les Occidentaux, sont en train de mener des croisades pour acquérir de nouveaux territoires, ou bien pour, comme d'habitude, soi-disant, mettre la main sur les richesses. Notamment, on a vu, vous avez parlé de Côte d'Ivoire, vous parlez de Libye actuellement et autres. Sauf qu'ils sont en train d'aller à l'encontre des intérêts des pays émergents, notamment de la Chine, qui est très bien implantée sur le continent. Donc, à terme, étant entendu qu'ils n'ont plus d'argent pour poursuivre la guerre, qu'ils sont en train d'aller en pointe aux Chinois, on va bientôt arriver à une sorte de clash. On a vu aujourd'hui que le département d'État, le Sénat américain a fait un rapport, ça a été rendu public aujourd'hui, sur l'armement, le réarmement de la Chine. Oui, notamment le premier porte-avions qui est sorti, on a parlé de l'avion furtif, et les Chinois d'ailleurs ont estimé que les États-Unis n'avaient pas à se mêler des affaires chinoises. Des affaires chinoises. Donc, selon vous, on est en train d'évoluer vers une forme de tension entre ces pays émergents-là et les pays occidentaux, à terme. J'espère qu'on ne va pas, on ne va pas en arriver. Le problème, c'est qu'il faudra que quelqu'un réveille les Occidentaux. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de dormir. Comment ça? La guerre que la Chine a déjà commencé la guerre avec eux, mais ils ne voient pas ça. Qu'est-ce que les Chinois ont fait? Les Chinois produisent ce qu'on appelle les terres rares. Ils maîtrisent 95% des terres rares. Qui est d'ailleurs situé dans leur... Il faut que les téléspectateurs comprennent les terres rares, c'est quoi? C'est un ensemble de 17 000 euros qui entre dans la fabrication de tout ce qui est de haute technologie. Du téléphone portable au satellite, en passant par les batteries des voitures, les mamies catalytiques des voitures, en passant par les fusées. Et c'est les Chinois qui contrôlent les 95% du marché. Et tout ce qui regarde les missiles, dont les Américains aujourd'hui, pour tous leurs programmes d'armement, sont obligés de s'approvisionner des Chinois. Parce que c'est les Chinois qui maîtrisent pour transformer ce numéro. Et qu'est-ce que les Chinois ont fait? Ils ont décidé, unanimement, de réduire chaque année leur exploitation. Avant, c'était 5%. Après, ils sont passés à 10%. Aujourd'hui, ils sont passés à 15%. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que dans 5 ans, 10 ans, il n'y aura plus d'usines de production d'articles de haute technologie en Occident. C'est une guerre que la Chine a déjà déclarée. Et au lieu qu'ils viennent s'occuper de nous en Afrique, c'est pour ça que j'ai dit qu'ils ont perdu. Parce que le vrai enjeu n'était pas ici. Ça, c'est un point. Un autre point qui vient dans mon prochain article, c'est qu'au moment où ils se focalisaient sur la Libye, parce qu'on avait vu deux bouts de pétrole, la Chine et la Russie ont formé le nouveau G2. Parce que lorsque M. Obama a proposé à la Chine, lors de son premier voyage en Chine, la Chine a dit non. Parce que nous n'avons pas la même vision du monde. Et là, le 16 juin, lors de 10 ans de la coopération sino-russe, ils ont fait des accords, ils ont décidé que pour tous les sujets de politique internationale, ils vont se mettre d'accord. Ce que les Occidentaux n'ont pas toujours, comme les Européens à ce point, ils n'ont pas compris, c'est que la guerre en Libye a fait que, en rapprochant les deux, ils ont fait un accord que désormais, ce n'est plus l'Union Européenne qui est le premier client de la Russie, c'est la Chine. Comme la Chine devient le premier client de la Russie peut tranquillement fermer le robinet de son gaz vers l'Europe, parce que la Russie a tout le temps de s'arranger avec l'Algérie, et les deux pays contrôlent les 70% du gaz qui va en Europe, notamment des pays comme l'Italie. Donc, si la Russie veut faire chanter l'Europe, elle est capable, hier n'était pas capable parce qu'elle avait besoin de l'argent. Or, aujourd'hui, la Chine est capable de lui apporter cet argent parce que la Chine devient son premier client. Donc, pendant qu'il perdait le temps en Libye, il y a des choses qui sont passées sous leur nez, ils ne sont même pas rendus compte. C'est pour ça que je parle de la perte de l'Occident. Parce qu'il y a plein d'autres choses qui se passaient. Voilà. Donc, pour vous, les véritables raisons pour lesquelles on attaque la Libye sont lesquelles? La vraie raison, c'est la Fédération africaine. C'est la Fédération africaine. Parce que si vous lisez le livre de Kwame Nkrumah,
Il écrit le livre en 1961, Africa Must Unite, l'Afrique doit s'unir. Dans ce livre, il explique que, si vous rappelez, si on retourne en arrière, en 1950, c'est lorsque le Ghana prend l'indépendance. Kwame Nkrumah a dit, le Ghana n'a aucune raison de fêter son indépendance. Parce que tous les autres pays africains sont sous domination. Et il dit, nous attendrons le jour où tous les pays africains seront indépendants avant de fêter la nôtre. Et lorsque les pays sont indépendants en 60, les pays sont indépendants en 60, on doit s'unir. Et pourquoi on doit s'unir? Parce que les raisons qui ont porté à faire des petits pays, Cameroun, Ghana, tout ce que vous voulez, c'est les raisons de l'affaiblissement du continent. Celui qui nous a divisés l'a fait pour son intérêt personnel. C'est à nous de refuser cette partition de l'Afrique. Et pour qu'on puisse en sortir, le développement de l'Afrique viendra le jour où on sera capable de s'unir. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on vient dire élection, on va élire. Moi, je suis pour qu'il y ait des partis africains. Tout à l'heure, quand il y a un téléspectateur qui a dit « Est-ce que vous pouvez être ministre ?» Je suis dans une autre vision de l'Afrique. Pour qu'il y ait des syndicats africains. Pour qu'il y ait tout conçu au niveau panafricain. Parce que lorsque nous acceptons la partition de l'Afrique telle que les colons l'avaient fait, c'est une défaite d'avance. Et heureusement, lorsqu'on parlait des États-Unis d'Afrique en 1990, nos amis européens, nos amis fédéralistes nous soutenaient. Mais les Européens qui étaient au courant se moquaient de nous en disant « Où vous allez prendre de l'argent ?» Parce que le vrai problème d'une fédération, c'est comment on organise la gouvernance, comment on finance la bureaucratie. Et lorsqu'il y a quelqu'un comme Kadhafi qui arrive, il dit « Je paye. » Ça veut dire ceux qui pouvaient se contenter disent que les États-Unis ne vont jamais se passer. Et regardez bien. Et dans ce débat, j'ai discuté avec des officiers libyens à Genève. Parce que M. Kadhafi a beaucoup soutenu que le Cameroun soit très important dans ces États-Unis d'Afrique. Le siège du FMA est à Yaoundé. Le siège opérationnel de la RASCOM est à Bépanda, à Douala. Le centre opérationnel de l'armée fédérale africaine est à Douala. Donc, je posais la question à un dirigeant libyen à Genève, pourquoi le Cameroun? Il m'explique parce que vous avez fait une guerre de l'indépendance. Parce que les Camerounais ont fait une guerre de l'indépendance, ils sont conscients. Et même si nous l'avons perdu la guerre, mais il y a un acquis. Il y a un acquis que l'indépendance n'est pas quelque chose qu'on vous donne. Oh, les Ivoiriens, on leur a donné l'indépendance. Les Maliens ont eu l'indépendance. On leur a donné. Le peuple Camerounais ou Algérien ou Balgache, ça, c'est les trois peuples qui ont combattu pour avoir l'indépendance. Et ça, c'est très important. Donc, les trois projets phares, par exemple, le Fonds monétaire africain, qui a 42 milliards de dollars. Mais c'était un pied de nez aux Occidentaux. Pourquoi un pied de nez? Parce que le FMI avait 25 milliards. A mis à genoux tout un continent. Si l'Afrique est capable de mobiliser 42, elle devient indépendante, elle sort de Bretton Woods. Elle n'a pas fait 25, elle a fait 42. Donc elle n'a même plus que le capital du FMI qui est venu nous mettre à genoux. Non, elle sort de tout ça. Donc le califat est devenu l'homme à abattre. Oui, donc lorsqu'on fait ça, on a le FMA, on a le Fonds africain d'investissement, avec le siège à Sirte. Rappelez-vous que c'était une des villes qu'on a le plus grand. Il y a déjà l'immeuble du Fonds monétaire, du Fonds d'investissement africain à Sirte. Puis ces activités commençaient de 2011. Donc, à quoi servait le Fonds africain d'investissement? À faire des gros projets en Afrique. Parce que l'Afrique a l'argent. L'Afrique a l'argent. C'est ce que Kadhafi a toujours dit. Nous avons l'argent. Quand vous enseignez, est-ce que vous enseignez tout ce que vous dites là à vos étudiants? À nos étudiants, il y a quelque chose que je dis toujours. Emmanuel Kant disait, le rôle du professeur universitaire, ce n'est pas d'enseigner la vérité, c'est d'amener l'étudiant à douter. Il faut que l'étudiant soit capable de douter de ce qu'il écoute à la télévision, qu'il doute de ce qu'il entend. Et j'enseigne aux étudiants les techniques de manipulation. Parce que dans le monde, on est manipulé. Comment on fait pour être manipulé? Donc on étudie, parce qu'il faut les réveiller justement. C'est pour ça qu'on les envoie. Voilà, monsieur Emmanuel Macron, dans le monde, nous sommes manipulés, manipulés par l'Élysée, manipulés par tous les Occidentaux machiavéliques, les Occidentaux barbares.
les Occidentaux, arrière-petits-fils des nazis et ceux qui dirigent le monde, ne sont que des terroristes. Ceux qui dirigent le monde ne sont que des barbares, des gens qui n'aiment pas la race humaine. Parce que eux, ce sont des avatars. Ce sont des avatars des aliens. Donc, monsieur Emmanuel Macron, vous, le roi de la France-Afrique, vous devrez comprendre une seule chose. L'indépendance, soi-disant, qui a été donnée dans pas mal des pays africains. Il faut que l'Afrique se batte. Il faut que les Africains se battent avec la France. Quand on va se battre avec la France, nous allons avoir notre propre indépendance. Parce que l'indépendance écrite par les présidents de l'Élysée et l'Afrique, c'était que du mensonge. Général de Gaulle, l'architecte du grand chaos en Afrique, il n'a servi à rien, à la destruction massive de toute l'Afrique. Et vous vous dites que le Congo-Brazzaville, c'est votre chambre. Vous venez, vous pillez les minerais comme vous voulez et vous sortez comme vous partez avec ces minerais parce que vous dites le Congo-Brazzaville vous appartient. Vous allez partout en Afrique, vous pillez les minerais. Non, Emmanuel Macron, vous n'avez que des fruits dans vos terres. Les pommes, les raisins, les framboises, des pêches. Mais vous arrivez à contrôler pas mal d'États en Afrique. Monsieur Macron, comment vous faites? Dites-moi un peu, malgré vous avez les marionnettes en Afrique, mais comment vous arrivez à manipuler des États et des États? Le franc CFA, une monnaie coloniale, une monnaie impérialisme, une monnaie qui a rendu l'Afrique de plus en plus pauvre. Cette monnaie de franc CFA, une stratégie pour avoir la mainmise sur nos richesses du sous-sol. Et qu'est-ce que vous faites? Maintenant, le franc CFA sera remplacé par la soi-disant monnaie éco. Mais la monnaie éco, vous allez toujours bouffer derrière. Mais monsieur Emmanuel Macron, de qui on se moque tant? Donc, génération par génération, le peuple africain doit être toujours les esclaves de la France. Mais voilà pourquoi vous voyez, il y a l'image des esclaves à côté de vous, monsieur Emmanuel Macron. Parce que c'est comme ça que vous voyez le peuple africain. Tous ce sont des esclaves. Et vous vous dites que ces peuples doivent être écrasés et écrasés. La patrie ou la mort, nous vainquons. La patrie ou la mort, nous vainquons. La patrie ou la mort, nous vainquons. Seul que la lutte qui libère, capitaine Thomas Sankara, nous a laissé des archives et nous allons nous battre. Nous allons nous battre pour nous libérer. Seul que la lutte qui libère et seul que les guerriers qui vont libérer leur vie qui est prise en captivité par la France. La France, pays des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, mais qui ne sont que des mensonges. Alors, monsieur Emmanuel Macron, ce direct, je l'ai fait pour vous jeter des vérités. Monsieur Macron, vous n'avez aucun enfant. Vous n'avez pas d'enfant, vous. Votre épouse, elle a des enfants qu'elle a eus. Mais vous, vous n'avez pas eu d'enfant. Et vous n'avez pas d'enfant. Mais vous osez donner des conseils. Dire à des familles en Afrique, faites moins d'enfants. Car ce sont des enfants qui amènent la pauvreté. Grandement faux. Ce qui fait qu'il y a la pauvreté en Afrique, c'est la mafia des valises d'argent. La France-Afrique. Ce qui fait qu'il y ait la pauvreté en Afrique, c'est les détournements immenses
des richesses minières. Parce que toutes les richesses minières, vous les prenez pour vous. Rien pour le peuple africain. Et c'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas les enfants. Je sais que vous, vous n'aimez pas les enfants. Voilà pourquoi vous dites aux Africains, faites moins d'enfants. Mais M. Emmanuel Macron, pourquoi vous n'allez pas le dire aux Japonais ou aux Chinois? Allez leur dire, faites moins d'enfants. Allez dire aux Indiens, faites moins d'enfants. Allez dire aux Pakistanais, faites moins d'enfants. Allez dire aux Afghanistan, faites moins d'enfants. Pourquoi vous n'allez pas dire à ces peuples-là? Mais vous osez parler aux Africains, faites moins d'enfants. Vous croyez que nous, nous sommes vos serpillères? Vous croyez que nous, nous sommes vos moutons, comme les marionnettes qui vous suivent derrière? Nous nous disons, c'est fini cette époque. Monsieur Macron, voilà pourquoi nous allons nous battre. Voilà. Ce qui vous intéresse, vous, c'est les mal-êtres de la France-Afrique. Le fric, plus du fric, plus des détournements du fric. C'est ça qui vous intéresse. Monsieur Emmanuel Macron, la France-Afrique, vous aimez la France-Afrique parce que c'est une mafia. Et dans la France-Afrique, même des juges, même des avocats français sont dans le domaine de la France-Afrique. Voilà pourquoi quand on dit en France, la justice est faite pour tous, je dis non. La justice, elle est faite pour les petits bonhommes. Mais les grosses têtes comme vous, de l'Élysée, comme ceux qui sont des députés à l'Assemblée nationale, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, les députés de l'Assemblée nationale, les sénateurs, vous êtes protégés par ce système qui vous protège que le système de la justice. Et vous êtes protégés par la police, l'armée. Le peuple, vous les prenez pour vos moutons. Voilà pourquoi les gilets jaunes tout le temps sortent et vous envoyez la police tirer sur eux avec des balles en plastique. Vous devrez avoir honte, Monsieur Macron. Mais sachez une chose, la fin du cinéma de la dictature de la France-Afrique arrive à sa fin parce que les peuples africains en ont marre. Seul que la lutte qui libère. Celui qui veut être esclave, c'est celui qui ne va pas se mettre debout. Mais celui qui se mettra debout refuse d'être esclave. C'est comme moi, le tiers africain, Georges Passy. Je refuse d'être esclave de votre système. Votre système destructeur. Votre système des avatars. Machiavélique et votre système qui tue immensément en Afrique. Vous faites croire que vous êtes l'ami des Africains, mais vous n'êtes pas l'ami des Africains. Vous êtes l'ami destructeur de l'Afrique. Vous êtes l'ennemi numéro un de toute l'Afrique. Car la politique que vous êtes en train d'amener en Afrique n'est qu'une vieille politique du général de Gaulle. Une vieille politique du général de Gaulle, une vieille politique entretenue depuis longtemps par Jacques Foccart. Aujourd'hui, nous avons un nouveau Jacques Foccart, le ministre des Affaires étrangères. Oui, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Monsieur le ministre des mallettes, du fric et du fric, de la mafia France-Afrique. C'est M. Jean-Yves Le Drian. Voilà. Le tiers africain continuera toujours à dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, si le Congo RDC est en train de subir, c'est à cause de vous, M. Macron. Vous avez refusé de recevoir Félix Tshisekedi, Pétain. Parce que vous savez que tous les Africains sont en colère. Et vous savez que si Félix met ses pattes en France, ça sera allumer le feu. Et vu que vous ne voulez pas du feu, vous avez refusé de recevoir Félix en France. Mais Félix va arriver en Belgique.
Mais écoutez bien, monsieur Emmanuel Macron. Félix va connaître ce qu'il n'a jamais connu. Il va connaître ce que il n'a jamais connu et ce que la Belgique n'a jamais connu. Parce que les Congolais ne vont pas se laisser faire. Monsieur Emmanuel Macron, pendant l'occupation allemande en France, avant que Général de Gaulle puisse aller partout en Afrique dans des anciennes colonies françaises, chercher nos arrière-grands-parents pour venir vous libérer, libérer la France de merde. Mais il y a eu des combattants français. Il y a eu des combattants français qui se sont levés, hein, qui ont tué des Allemands. Mais monsieur Emmanuel Macron, pourquoi pas le Congo? Pourquoi pas le grand Congo RDC? Ils ont le droit de se défendre. Ils ont le droit de se lever pour tuer tous les collabos et tous ceux qui sont imposteurs sur le sol du Congo. Mais pourquoi votre politique? Vous encouragez les Rwandais Tutsis pour balkaniser le Congo, pour prendre une grande partie du Kivu et une grande partie des provinces là où il se trouve pas mal des richesses minières du sous-sol et afin que ça revienne au Rwanda. Mais monsieur Emmanuel Macron, pourquoi vous ne donnez pas un grand territoire comme Bordeaux? J'aimerais que vous donniez Bordeaux à l'Allemagne. Donnez Bordeaux à l'Allemagne. J'aimerais que vous donniez Strasbourg à l'Allemagne. J'aimerais que vous donniez Toulouse à l'Allemagne. Est-ce que vous pourrez le faire, monsieur Macron? Voilà ce que j'avais envie de vous dire. L'Afrique, on va se libérer, monsieur Emmanuel Macron. S'il faut se battre, on va se battre. Parce qu'il n'y a que ça. Et maintenant, nous allons aussi vers l'Afrique. Parce qu'il y a eu des gens qui ont fait des études dans l'armement, des fabrications des bombes. Nous avons aussi besoin d'avoir l'arme nucléaire. Car un pays comme le Pakistan, ils ont l'arme nucléaire. Un pays comme l'Inde, ils ont l'arme nucléaire. Mais pourquoi pas l'Afrique? Nous devons avoir ces armes. Quand nous aurons l'arme nucléaire, nous serons respectés. Monsieur Macron, la France-Afrique, nous allons finir avec cette cellule mafieuse. Mafieuse qui tue plus que Ebola, qui tue plus que le sida, qui tue plus que le paludisme. Nous allons finir avec cette mafia France-Afrique. Le peuple africain doit être un peuple libre. Le peuple africain mérite d'avoir ce qu'on appelle des écoles, des hôpitaux. Mais en Afrique, il y a plus de constructions d'église, construction des mosquées. À quoi ça rapporte à l'Afrique? Même des tracteurs, il n'y a pas. Les tracteurs pour rabouer la terre, pour faire des grands hectares et des hectares. Car seul que le développement de l'agriculture pourra faire que l'Africain mangera 5 à 4 fois. Mais l'Africain, s'il souffre de famine, c'est parce que l'Africain n'a pas compris que ce qui rapporte plus, c'est la terre. Pas mal des Africains veulent faire la politique, mais tous ne sont pas faits pour faire la politique. Il y en a qui doivent entreprendre autre chose. Moi, luthier africain qui parle, je me bats pour une Afrique meilleure, mais moi, je n'aimerais pas faire la politique. Moi, j'aimerais faire autre chose en dehors de la politique. Parce qu'il y a autre chose à faire. Mais monsieur Emmanuel Macron, je vous dis ceci. Vous allez connaître ce que vous n'avez jamais connu. Parce que le peuple africain a tellement souffert. La patrie ou la mort nous vaincront. Je veux clôturer ce direct. Nous allons écouter ceci avant que je puisse clôturer ce direct. Donnez-moi un instant.
avec le bassin du Congo que nous avons. Le bassin du Congo. Non. Mais nous pouvons développer immensément l'agriculture. Nous pouvons faire immensément des grandes choses. Nous pouvons faire des grandes choses. L'Africain n'a même pas besoin de venir en Europe. Il n'a même pas besoin de venir aux États-Unis. L'Africain n'a pas besoin. L'Africain peut rester chez lui en Afrique. En Afrique, il y a tout. Mais qu'est-ce qui fait que les Africains fuient l'Afrique? La dictature. Les dictatures. La dictature, les dictateurs placés par la mafia France-Afrique, placés par tous les restes des Occidentaux. Voilà le problème. Ouvre-moi ce dossier-là. Oh là 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 là. Pourquoi il frise? Bon, éteindre après allumer. Il n'y a pas de choix. La parole immédiatement après José
Dirceau et Michel Dalema. La question ici est de savoir comment va l'Afrique 20 ans après la chute du mur de Berlin. Les libéraux vous disent que la situation est relativement satisfaisante puisque ces dernières années, nous enregistrons des taux de croissance de l'ordre de 5% pour la plupart des pays et qu'il s'agit maintenant et en ces temps de crise financière et économique mondiale de maintenir le cap des réformes néolibérales. Alors moi je parle des gens ordinaires et plus particulièrement des femmes qui ont du mal à joindre les deux bouts et à qui personne ne pose la question de savoir comment va l'Afrique, comment va le monde. Elles ne savent même pas dans quel monde elles évoluent. Alors, ces hommes et ces femmes qui ont cru à ce qu'on appelait à l'époque le vent de l'Est se trouvent aujourd'hui devant ce que j'appelle la démocratie introuvable. Les faits qui nous viennent à l'esprit quand on se pose la question de l'état de l'Afrique 20 ans après la chute du mur de Berlin et sont bien entendu du côté de la Guinée aujourd'hui. Des dizaines d'innocents massacrés à la faveur d'une manifestation pour dire qu'on ne veut pas que Moussa Dadis Camara se présente aux élections présidentielles. J'ai particulièrement... Je suis habité par une profonde douleur due à l'humiliation qui est infligée à notre continent. Parce que ceux qui, chaque jour, ajoutent une couche à cette humiliation en faisant des événements de la Guinée, par exemple, l'illustration de là où nous sommes, c'est-à-dire les grands perdants d'une mondialisation qui réussirait théoriquement à tout le monde, comme si nous ne voyions pas l'état du monde. Nous sommes chaque Africain et insultés à travers l'interprétation des faits. Parce qu'il y a une confiscation de la vérité. Je pense qu'il y a une sorte d'indigence intellectuelle de la part des analystes qui posent ce regard sur l'Afrique et réduisent l'état du continent à ces guerres pré- et post-électoraux en sachant parfaitement que ce qui nous est proposé n'a rien à voir avec une démocratie. Alors ce que le monde de l'après-guerre, qui était supposé être un monde ouvert, libre, démocratique, ce que ce monde attend de nous, c'est de porter au pouvoir des libéraux. Mais jamais personne ne nous donne la chance de comprendre les clivages. Alors imaginez quand nous regardons le déroulement et l'issue des élections en Allemagne, au Portugal, en France, vous avez juste 3, 4, maximum 5 partis politiques. L'Union européenne qui supervise les élections, tous ceux qui sans arrêt montent au créneau pour condamner, ils savent parfaitement que nous sommes en face d'un champ politique totalement émietté. Mon propre pays, 11 millions, 12 millions d'habitants, avec 100 partis politiques. C'est de la rigolade, tout le monde le sait. Et pourtant, il montre au créneau qu'on nous parle de quelle démocratie s'agit-il. Moi, je dis que c'est la démocratie libérale est une imposture pour ce qui est de l'Afrique. Et c'est une insulte à l'intelligence des Africains. Parce que les gens sont au désarroi au terme de plusieurs décennies d'ajustements structurels. Personne n'a jamais rien demandé au FMI et à la Banque mondiale pour leurs erreurs d'appréciation quant aux réformes dont nous avions besoin sur ce continent. Le mur est tombé dans un contexte où nous étions déjà sous la tutelle du FMI et de la Banque mondiale. Nous étions déjà éprouvés par ces réformes qui ont totalement mis par terre et la fonction publique, l'agriculture, tous les secteurs. Mais personne n'a essayé
estimé que les Africains étaient dignes de la moindre information quant à la nature du marché, quant à la question du marché. Et l'économie du marché reste encore un mystère pour tout le monde. Alors, j'ai tendance à me dire souvent qu'il se pourrait qu'on nous préfère pauvres et idiots. Nous présenter comme l'idiot du village planétaire. Et qu'il y a peut-être une dose de racisme derrière tout ça. Qu'est-ce que j'entends quand je regarde? Pourquoi j'ai du mal à regarder la télévision ces jours-ci? Quelques mois après la chute du mur de Berlin, en juin 2000, le discours de la boule prononcé par le président Mitterrand a été l'un des temps forts de ce que nous appelons chez nous la transition démocratique. Alors, Mitterrand disait, nous ne voulons pas intervenir dans leurs affaires, dans les affaires intérieures de nos pays francophones, bien entendu. Pour nous, cette forme subtile de colonialisme qui consisterait à faire la leçon en permanence aux États africains et à ceux qui les dirigent, c'est une forme de colonialisme aussi perverse que tout autre. Ce serait considérer qu'il y a des peuples supérieurs qui disposent de la vérité et d'autres qui n'en seraient pas capables, alors que je connais les efforts de tant de dirigeants africains qui aiment leur peuple et qui entendent les servir, même si ce n'est pas de la même façon que sur les rives de la Seine ou de la Tamise. Mais nous sommes à mille lieues de cette affirmation aujourd'hui, quand nous regardons ce qui se passe entre le ministre français des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, et ce jeune caporal et Dadis. Dans quel monde sommes-nous? Alors moi, je pense que des débris du mur de Berlin et sont nés, je crois que, et quelqu'un l'a dit, une série de murs qu'il faut nommer. Il y a bien entendu, Marek a parlé de 24 murs qui séparent encore les peuples, dont les barbelés de Ceuta et Melilla, entachés du sang des migrants africains. Mais la plupart des murs ne sont pas visibles. Je pense surtout aux murs qui séparent les égaux et non les autres. Le mur du PIB. Le PIB est un mur infranchissable pour les peuples pillés. On nous donne l'impression que c'est nous qui avons besoin d'aide. Mais il se pourrait que ce soit le capital expansionniste qui ait besoin de l'Afrique, des richesses de l'Afrique. La sortie de crise, cette crise qui sévit, la sortie de crise va passer par l'Afrique et à notre déprimant. Le PIB est un mur parce qu'on n'entre pas dans le monde des riches qui veut. Et tout est lié parce que précisément parce que nous ne parvenons pas à relever le défi de la croissance, nous n'en avons pas les moyens ni la latitude. Je félicite bien entendu les pays émergents. Je pourrais parler un tout petit peu du G20 tout à l'heure. Et ce que je pense aussi du nouveau mythe de l'émergence. On a eu droit au mythe de la croissance par l'exportation de matières premières, c'est-à-dire un développement extraverti et dépendant. Nous avons aujourd'hui droit au mythe de l'émergence, non pas parce que vous n'avez pas fait de progrès, mais parce que les progrès réalisés par la Chine, le Brésil et l'Afrique du Sud, je ne crois pas tellement, quand je vois la situation des Noirs et quand je vois là où nous en sommes dans un certain nombre de pays, je dis seulement que les dirigeants africains ne se donnent plus la peine de consulter leur peuple parce qu'ils se veulent émergents. Les droits les plus élémentaires sont encore bafoués parce que nous avons des dirigeants béni-oui-oui, mendiants, qui demeurent impressionnés par les prouesses technologiques et les réussites matérielles de l'Occident qui, moi en tant que femme africaine, ne m'impressionne pas outre mesure. Parce que je sais par ailleurs où en sont les peuples de ces pays riches et émergents. Alors, les murs de l'espace Schengen, je crois que vous en avez parlé, et s'il y a une région du monde aujourd'hui dont l'État peut attester des illusions nées de la chute du mur de Berlin, c'est franchement, plus particulièrement l'Afrique subsaharienne. Nous réalisons chaque jour que nous ne sommes que l'arrière-cour de l'Europe. Là où l'agriculture, réservoir de matières premières et dépotoir. Et aucune démocratie, aucune...
qu'une démocratie locale et nationale n'a d'avenir dans le cadre des rapports euro-africains si asymétriques. La société civile est en train de se battre justement pour qu'on arrête de nous infliger ces accords de partenariat économique, c'est-à-dire davantage de libéralisme. Nous ne sommes pas entendus. Et les gens s'étonnent que l'ensemble des frustrations et des humiliations subies, accumulées, deviennent explosifs à un certain nombre, à un moment donné. Et que la démocratie représentative qui permet à une catégorie d'élite qui a amassé suffisamment d'argent, cette démocratie représentative qui porte au pouvoir des gens qui ne rendent pas de compte au peuple, on se rend compte que dans cette situation totalement chaotique puissent émerger des démocrates africains. Moi, je les cherche, mais en vain. La Guinée n'est pas une exception. Nous avons toutes les chances d'aller vers d'autres horreurs. Des millions d'innocents mourront encore parce que le système global est un désastre. À la guerre froide a succédé une guerre mondiale, une guerre économique qui est perverse, qui ne dit pas son nom. Et c'est ça qui est profondément injuste à l'endroit des millions d'hommes et de femmes du Sud, globalement parlant, et plus particulièrement d'Afrique, où on s'interdit de prononcer le mot capitalisme. La chaîne de l'Amérique latine, nous regardons avec une certaine envie l'Amérique latine parce que vous avez le courage de nommer les États-Unis d'Amérique. Mais tout Africain, tout dirigeant africain qui pointe du doigt la France ou les anciennes colonies, les anciennes puissances coloniales, et ses dirigeants sont stigmatisés et esselés et punis. On pourrait parler longuement, il y a une liste à faire des calcantes aux pratiques de la France dans ses anciennes colonies. Mais d'une manière générale, le G20, que je considère comme une sorte de... Le G8 d'abord pour moi est un coup d'État. C'est un coup d'État de la part des puissants qui ont décidé de faire bande à part et parce que le droit international et les exigences du multilatéralisme ne sont pas compatibles avec les guerres de convoitise. Donc on se met à part. Mais l'élargissement du G8 aux pays dits émergents ne fait pas davantage de cette instance une démocratie. Alors je pense que, pour ne pas aller au-delà de mes 10 minutes, et les murs sont un peu partout, invisible, autour de nous, lorsque l'Europe externalise ses frontières et transforme les pays en jaune et nos dirigeants en gardiens pour que les jeunes émigrés ne partent pas. Les murs sont entre nous dans nos pays, séparant les élites aliénées et consuméristes des peuples affamés. Mais l'altérité elle-même, dans mon cas, est un mur. Parce que, dit quelqu'un, nous sommes un peu trop bronzés. Et pour conclure, je dirais que la chute du mur de Berlin est née donc ce désastre et la mort lente, c'est la mort lente du fait de la faim, de maladies guérissables, mais aussi la mort violente par balle, comme on l'a vu et on le voit en ce moment en Guinée, au Kenya, où la Cour pénale internationale prétend aller chercher les victimes des 1300 morts au cours des dernières élections. Alors, je voudrais, pour conclure, dire que la mondialisation a permis aux gagnants de la guerre froide d'aller le plus loin possible dans l'ultralibéralisme dans nos pays, où l'organisation du champ politique n'a pas permis la constitution de forces sociales, syndicales et politiques capables de défier le système. Le véritable mal de l'Afrique est à ce niveau. Et je pense que l'Afrique piégée et humiliée, elle n'a pas implosé parce que les femmes sont debout, munies de valeurs non marchandes pour colmater les déchirures du marché. Hier, quelqu'un disait que je crois que c'est Pascal qui a parlé de la peur, de l'espoir et de l'humiliation. Ces trois sentiments, je crois, se retrouvent
chez nous. Nous avons peur. Nous avons peur, chaque pays africain a peur d'être stigmatisé, marginalisé, parce que cruellement dépendant de l'aide extérieure. Nous nous sentons humiliés parce que c'est le prédateur qui prétend moraliser. Celui qui vient se servir, qui a besoin de vos ressources naturelles, veut donner la leçon de morale. Donner l'impression au monde entier que vous n'êtes rien. Alors quand nous savons d'où nous venons, puisque nous savons que la traite négrière et la colonisation ont été les étapes nécessaires à la constitution du capital dominant, nous disons qu'il faut inverser le regard sur l'Afrique. On ne peut pas juger l'Afrique à la lumière des pratiques dites démocratiques, mais on doit juger la démocratie libérale à la lumière de l'état de l'Afrique. Je vous remercie. Cette conférence est pour notre peuple. On s'en fout de ce que les autres disent. Moi, il y a toujours dit qu'on a pris un moment de l'histoire. Nous le faisons aujourd'hui. Après 10 ans, 20 ans, ceux qui viendront après nous pourront juger. Mais du moins, ce que nous faisons, c'est pour préparer l'avenir, nos enfants, nos petits-enfants, par rapport à un passé douloureux, esclavage, colonisation, néocolonisation. Il faut expliquer à notre peuple que ça doit s'arrêter. Comme ça, on prépare l'avenir de nos enfants. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, je dirais que c'est l'apostolat. Parce que Lumumba l'a fait, Mzé Kabila l'a fait, et Lumumba a perdu sa vie. Mzé a perdu sa vie pour préparer, pour avoir un Congo indépendant. Donc, nous ne faisons que continuer l'héritage de ses pères fondateurs, de nos héros, pour que nos enfants qui viendront après nous vivent dans un État libre et indépendant. Parce que quand même, il y a des sacrifices pour ça. Donc, c'est la continuité. Je suis panafricaniste, ça c'est très bien connu. J'ai toujours dit, sans le Congo, l'Afrique ne peut pas être debout. Et il faut que tous les Africains comprennent. L'avenir de l'Afrique se joue actuellement au Congo. Frank Fanon l'a dit quand on a assassiné Lumumba, avec ses services de renseignement, en demandant à tous les Africains que ce qui se passe au Congo, avec l'assassin de Lumumba, c'est de l'avenir du continent africain qui est hypothéqué. Mais ce qui est malheureux, c'est de voir que les Congolais même ne sont pas conscients. On comprend, on a connu une colonisation dure, des fois l'apartheid, et la plupart des élites qui devraient apprendre l'histoire de ces pays n'ont pas appris de cette histoire. Et on a essayé un peu de cacher l'histoire à nous d'abord, à nos enfants. Je pense à toutes choses à faire. On dit, pour libérer un peuple, il faut qu'ils prennent conscience de son passé. Et on dit aussi, un peuple, il faut tuer sa culture. Donc l'Occident nous a tués. On peut parler français aujourd'hui, on peut avoir le doctorat. Nous ne sommes pas des hommes debout, des hommes conscients. Ce qui fait que l'Afrique est dans cet état et personne n'a le courage de tirer les leçons de l'histoire. C'est comme s'il n'y a pas d'urgence. Les Africains vivent comme si tout est normal. Et quand vous allez parler avec ces gens, vous dites, docteur, professeur, mais l'Afrique est dominée, l'Afrique est pillée par les mêmes qui étaient à la base de la création de certains États avec la conférence de Berlin. C'était comment diviser l'Afrique, comment l'exploiter. Et ça continue toujours avec ça. Mais malheureusement, on a encore des élites très aliénées. Aliénées parce que ce sont des élites qui ont été à l'école occidentale. Ce sont des élites qui ont appris à vivre et pour servir des intérêts étrangers. C'est ça notre malheur. Donc nous avons le devoir de rectifier vite les tirs pour que nos enfants, nos petits-enfants, et ceux qui viendront après nous, vivent dans une Afrique libre, dans un Congo indépendant, un Congo debout. De toute façon, c'est le cours de l'histoire, ça ne va pas s'arrêter. Je pense que l'Occident est terminé, c'est fini l'Occident. Ça, il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La raison pour laquelle j'ai amené cet livre, pour que les gens comprennent que le monde de la guerre froide est arrivé à la fin. Donc, ce qui est dramatique, c'est que nos élites analysent le monde actuel avec la grille lecture de la guerre froide. C'est comme ça que vous parlez de la Belgique, vous parlez de l'Europe. C'est déjà dépassé. L'avenir se joue en Asie Pacifique, ou bien sur le continent Eurasie, ou bien concentration des richesses de la population.
Et si nous ne faisons pas beaucoup attention, nous risquons d'être marginalisés et être ce qu'on peut appeler la banlieue de puissance. Et les autres vont venir chez nous se battre en Afrique. Et peut-être nous risquons d'être encore colonisés si nous ne nous préparons pas pour nous battre. Donc ce que nous faisons maintenant, c'est préparer d'abord sur le plan intellectuel et culturel nos petits-enfants, nos enfants, que le monde qui nous attend demain, c'est un monde très dur. Nous devons nous préparer à nous libérer et à tracer notre voie. Donc c'est notre travail, on laissera les historiens juger ce que nous faisons aujourd'hui. Donc c'est l'histoire qui va nous juger, ce n'est pas les hommes d'aujourd'hui. J'ai vu dans la déclaration de la conférence épiscopale nationale du Congo de Senko, il y a un point vraiment qui, moi, personnellement, m'a tiqué. Le discours à laquelle il est déjà, ainsi de suite. J'ai même dû reprendre quelques lignes. On dit corps du Christ, l'Église n'est inféodée à aucune organisation politique. Bon, il faille qu'on définisse d'abord ça. Et on dit sa seule préoccupation, c'est de contribuer au bien-être du peuple tout entier. Et on a donné effectivement liberté, ainsi de suite. Pourquoi les gens s'en prennent à l'Église catholique alors qu'elle dit clairement qu'elle n'a pas de ramifications avec les organisations politiques? Je pense qu'il y a un problème ici. Il y a des contradictions qui apparaissent directement en disant que l'Église n'est pas inféodée à une quelconque partie politique, à l'opposition. Mais quand vous regardez en profondeur, vous voyez les prises de position de l'Église, on doit s'interroger. Et d'abord, l'Église sait très bien que le peuple congolais attend des élections. Auparavant, on demandait aux gens, on exigeait au gouvernement de préparer les élections. C'était le fond du problème. On a enrôlé des gens, ça fait 46 millions, mais 47 millions de gens. Ça prouve que le peuple attend des élections. 46 millions sans procéder au toilettage. Quand on va toiletter, c'est peut-être 45. Donc c'est déjà un fait. Deuxième fait, le gouvernement a voté des billets à peu près 500 millions. Et troisième fait, je pense que... Le calendrier électoral. Le calendrier électoral, c'est déjà donné. Là, il n'y a pas de discussion. Mais on doit s'interroger. Pour quelles raisons l'Église préfère soutenir les manifestations de CLC? D'accord? CLC, je pense à CLC. CLC. En disant qu'il n'est pas informé. Quand on fait une analyse rigoureuse, on voit que ceux qui sont acteurs de CLC sont des politiciens. Je prends un cas clair, palpable. C'est le professeur Ndaiwel. Beaucoup de gens ne savent pas. Aujourd'hui, on les présente avec l'étiquette d'un intellectuel. Professeur. Ce sont des professeurs qui ont signé. Les gens ne font pas la politique. Mais monsieur le professeur Ndaiwel avait adhéré au ministère de Pierre Lumbi. Les documents, c'est qu'on les vérifie. Donc ce sont des éléments qui doivent nous interroger. Quel jeu l'Église en tant qu'institution, parce qu'il faut faire la part des choses. Église en tant qu'institution, Église en tant que communauté de croyants. Mais actuellement, c'est l'Église en tant qu'institution qui prend position. Ce ne sont pas des croyants, mais qui prend une position, qui entraîne la population, les croyants, dans ce jeu politique. Parce qu'ils doivent manifester. C'est bien prévu dans la loi, ils doivent manifester. On manifeste pourquoi? Et quand vous regardez les communiqués de CLC, que l'Église soutient, ils vous disent il faut faire la transition sans Kabila, il faut aller contre la dictature, mais au même moment, on demande qu'on aille aux élections. Ça prouve que l'Église ne joue pas le franc jeu. Et ça me rappelle, quelquefois, de faire appel à l'histoire. On a tendance à oublier ce qui s'est passé, il y a tant de Mobutu, pendant la transition. Rappelez-vous, la conférence souveraine, dans quelles conditions c'était terminé. Et cette conférence souveraine, comment ça s'est passé? On passait de gouvernement en gouvernement, je pense qu'on a fait 9 gouvernements de transition. Ça n'a pas résolu la crise, alors que l'objectif était d'aller aux élections. 9 gouvernements de transition, de négociations à négociations, de concessions à concessions. Pouf,
on voit la fidèle. La fidèle arrive. Ceux qui se battaient pour la démocratie, je prends l'exemple du DPS, n'a pas fait le pouvoir. Nous est à corriger les tirs. Voilà, en corrigeant les tirs, Mouzé a perdu sa vie. Il a été assassiné pour ça. Mm-hmm. On n'a pas assassiné Mouzé parce qu'on veut la démocratie. Parce que l'enjeu, ce n'était pas les élections, c'était pas la démocratie qu'on cherchait. On voulait avoir de nouveaux gérants. Et là, ça devient intéressant d'aller dans l'histoire aussi, s'interroger, avant de voir la dimension géopolitique. En 1885, à Berlin, quand on a créé l'État indépendant du Congo, on a confié à Léopold II la mission d'être gérant. Donc le Congo était créé, je dirais un peu, à cause du capitalisme créé occidental, comme il s'est battu, les 14 puissances sont mises d'accord pour dire qu'on va donner la gestion à Léopold II, mais il faut qu'il laisse la liberté de commerce. C'est tout établi, on appelle ça le bassin du Congo. Mais Léopold II, lui, très malin, il a institué des monopoles. Et ces monopoles ont débouché sur les mains coupées. Donc, du sang sur les liens. Sang sur eux, les mains coupées. On a tué 40 millions de Congolais pour produire ce qu'on appelle le caoutchouc. Et ce caoutchouc était tellement demandé sur les marchés internationaux, pas sur eux, avec ceux de Mouli, il fallait fournir. Donc, la manière à faire, c'est qu'on ait au Congo ces caoutchoucs naturels. C'est-à-dire qu'on a coupé les mains des de Congolais, on nous a exploités. C'était quelque chose d'esclavage sur le propre territoire. Maintenant, la communauté internationale, entre guillemets, les 14 puissances, ils ont décidé de ravir le Congo pour donner à l'annexe à la Belgique. Ça parce que Léopold II avait tué les Congolais, non. Il n'a pas respecté l'acte de Berlin qui avait prévu de libre conflit. La liberté de commerce. C'est ainsi qu'on a donné à la Belgique la mission et le stade colonial, donc le Congo était annexé. La Belgique a sécurisé toutes les quatre puissances, tous les capitalistes internationaux qui voulaient exploiter le Congolais jusqu'en 60. En 1960, Lumumba apparaît, première rupture. Et les capitalistes ne pouvaient pas accepter ça. Lumumba n'était pas communiste. Lumumba était élu de manière démocratique. C'est pour que les gens comprennent les enjeux. On tue Lumumba, on l'assassine. Aujourd'hui, je pense que celui qui a sa dent, on a coupé un morceau, on a mis dans la syphilique. Et celui qui avait tué Lumumba a une dent qui présente comme un trophée partout. Parce qu'il ne serait pas encore. Il est déjà décédé. Et sa fille qui a hérité la dent de Lumumba. Mais regardez, Lumumba assassiné, les capitalistes occidentaux soutient Mobutu dans le premier coup d'État, deuxième coup d'État, 65, on l'installe. Donc c'était le deuxième gérant après le pôle 2. Mobutu gère ses intérêts. À un moment donné, les régimes ne marchaient plus et la communauté internationale, de soi-disant, se rendit compte que Mobutu ne remplissait pas encore, ne sécurisait pas les investissements. Que faire? On a créé la guerre de l'Afrique. On est parti chercher Mouzé. Vous êtes comme un grand stratège. Parce que ce qui compte, c'était arriver au pouvoir. Vous avez fait un peu, je peux appeler un des médias. On racontait, on ne comprend rien, c'est dans ces maquisards. Vous arrive d'abord au premier acte à Lubumbashi. Il devient président. Il s'est proclamé président. Très clairement. Il prend le pouvoir. Et là encore, deuxième lecture. Mouzé n'était pas contrôlé par eux. Que faire? On l'assassinait. À la salle Mouzé, on pensait récupérer la situation. Joseph était trop jeune, à 20 ans. On pensait que c'était un enfant, on peut les diriger. Il a fait comme son père, grand stratège, il a fait semblant. Mais Joseph n'était que la continuité de Mouzé. Maintenant, il se rend compte, que faire? Donc, le Congo les a échappés. Il faut encore un nouveau gérant. Je pense que pour ceux qui suivent les informations, la plupart des opposants se trouvent en Belgique. Et vous allez voir que le gouvernement belge, à travers Renders, soutient clairement la proposition contre le Congo. Parce qu'ici, il faut faire la part des choses. Entre le Congo
les présidents. Parce que c'est que la Belgique fait aujourd'hui, l'achat avec Mobutu. Donc, réduire les problèmes et la position de la Belgique par rapport au Congo au niveau du président Kabila, c'est l'analyse. On l'a fait avec Mobutu. Ce qui intéresse les Occidentaux, c'est comment avoir la main sur les richesses du Congo. Et là, j'ai dit, regardez, est-ce que nos hommes d'église, en tant qu'institution, ont-ils compris les véritables enjeux de ce que j'appelle les véritables enjeux de ces nouvelles mutations géopolitiques? Parce que l'enjeu ici, ce n'est pas la démocratie, c'est comment avoir le contrôle de matières premières, comment contrôler les richesses du Congo. Et surtout, il y a la transition énergétique aujourd'hui. On est en train d'abandonner les énergies fossiles pour utiliser les énergies vertes. Et surtout avec ce qu'on appelle quoi, la révolution automobile avec la pile électrique. Et pour faire cette pile, il faut avoir le cobalt. Or, nous contrôlons, nous produisons 60% du cobalt mondial. Donc, comme du temps des caoutchoucs, où l'Occident, avec le pôleur, ont pillé le Congo, ont tué le Congolais, et le Congo se retrouve encore au centre des enjeux mondiaux. Mais justement, M. Mouba, les revendications de l'Église ne sont-elles pas fondées, selon vous? Ou bien, qu'est-ce qui motive, justement, la position de l'Église vis-à-vis de ce qui est produit sur le plan de l'actualité? Je pense que le problème... Qu'est-ce qui motive ces réactions, selon vous? Oui, moi je dis, le problème, c'est de ne pas dire que les réactions sont fondées ou pas. Une question. Est-ce que, je pense que l'Église a beaucoup d'intellectuels, qui fait grandes études, est-ce que l'Église catholique comprend l'essentiel? J'ai l'impression que l'Église catholique est dans l'accessoire. Parce que on parle aux élections aujourd'hui. C'est là où je voudrais amener une dimension géopolitique qui est absente dans les débats congolais. Tout le monde se bat, comment il faut se accéder à devenir président. Quand on est devenu président, là, c'est pour manger et servir les étrangers. Et je vois très mal les étrangers soutenir les élites pour servir notre peuple. En tout cas, l'histoire montre le contraire. Mais pourtant, c'est ce que le communiqué dit. Le droit d'être libre, de profiter de ses richesses, ainsi de suite. Tous les étrangers, tous ceux que vous qualifiez d'étrangers occidentaux, c'est ça le discours qu'ils disent sur le plan formel. Raison pour laquelle nous, on a eu la chance d'accéder à l'école des Blancs. On sait comment l'Occident ment. On sait comment l'Occident manipule. On sait comment l'Occident manœuvre. Pour dire l'Occident, les capitalistes. Donc nous devons, avec ce qu'on a comme connaissance, et surtout, avec la révolution du numérique, personne ne peut cacher la vérité aujourd'hui. Il y a des choses qui se passent en Chine, en Amérique, en Europe, on est au courant. Donc, là, on a démocratisé l'information. Donc, ça doit nous préparer, nous qui étions à l'école occidentale, de comment faire pour sauver notre peuple, sauver notre pays, sauver l'Afrique. Nous devons être capables de dire les leçons d'histoire. C'est notre drame ici. L'Afrique qui a connu l'esclavage, c'est parce qu'il y avait naissance, il y avait une révolution commerciale qui a eu comme conséquence l'esclavage, donc la première révolution du capitalisme. L'Afrique, qui a connu une deuxième révolution, qui a connu une deuxième conséquence avec la révolution, la révolution industrielle, ça donnait la colonisation. Et actuellement, nous sommes dans la troisième révolution, la révolution numérique. Donc l'Afrique doit tirer les leçons du passé, parce que quand vous regardez l'histoire africaine, vous vous rendez compte que pendant 5 siècles que nous souffrons. Donc, si ces capitalistes sont encore puissants et on ne sait pas s'organiser pour faire face à cette puissance, nous allons encore tomber dans un esclavage sur notre propre continent. Parce que ce qui m'a étonné, c'est quelquefois ça me fait rire. Est-ce que les Africains sont conscients? Les élites africaines sont conscientes? Je pose une question. Élites politiques comme intellectuelles.
Regardez à l'Union africaine, le dernier forum, le 30e sommet, où on a voté, on a nommé Kagame comme président. Le thème, c'était lutter contre la corruption pour la corruption pour essayer que l'Afrique se développe. Mais regardez un sujet accessoire. Quand d'autres puissances parlent comment se préparer pour faire face à la guerre qui va éclater. Non, les Africains se retrouvent auprès de la corruption. Donc, les Africains sont encore dans ce qu'on peut appeler les secondaires. Or, l'essentiel est géopolitique. Il y a de nouvelles puissances qui émergent. Il y a des acteurs non étatiques qui sont plus puissants que les États, qui risquent de faire plus mal que d'autres puissances étatiques. Regardez, on n'est pas tellement, on ne suit pas les informations ici. On ne suit pas les informations, mais on ne lit pas vous. Je pense que c'est le travail de l'élite. J'ai dit, on vient de connaître, on a un passé douloureux avec le capitalisme. Nous devons être attentifs pour voir, pour être, suivre de plus près ces mutations, pour éviter que l'histoire se répète. À Davos, il y a eu beaucoup d'interventions. Des hommes d'affaires, en Suisse à Davos, forment les Davos, des hommes d'affaires, des militaires, des diplomates, des intellectuels, des journalistes. Et là-bas, on parle d'une crise économique. Cette crise va éclater cette année. Quand la crise va éclater, résultat, il y aura la guerre. Et aujourd'hui, toutes les grandes puissances se prépare à la guerre. Bien que l'Afrique ne comprend pas. L'Afrique est dans l'accessoire, il dit non, la corruption. Il faut combattre la corruption. Alors que la guerre est à la porte. Donc c'est un peuple qui n'a pas tiré une leçon d'histoire, qui a connu un passé douloureux. Quand Trump, le président américain, a fait le premier tour en Asie, la Chine, Philippines et autres, Corée du Sud, Trump est passé par les grandes bases militaires à Hawaï. Il a mis les troupes américaines en alerte. Automatiquement, la Chine a répondu. La Chine, le président Xi Jinping, a demandé à l'armée chinoise de se préparer, de faire des exercices à balles réelles pour se préparer à la guerre. Au même moment, le président Poutine demande à l'industrie d'armement de se préparer à la guerre. Et la dame, qui Madame Merkel, au forum, l'Allemagne, il a parlé que l'Europe doit se préparer aussi à avoir une force militaire en dehors de l'OTAN pour faire face à ces menaces de la stabilité du monde. Je vais encore plus loin. Le monde arabe, le président, le fils de qui de, un prince arabe, il a organisé l'Arabie Saoudite, il a organisé à peu près 47 pays musulmans pour faire une coalition militaire sunnite contre les chiites, donc l'Iran avec les autres. Donc tout le monde se prépare à la guerre, il n'y a qu'en Afrique où les gens prient pour la paix, où les gens créent des chaos, où les gens se battent pour se battent contre la corruption. Donc nous sommes, je ne sais pas ce qui nous arrive, nous sommes aveuglés. Nous sommes aveuglés. Donc nous, qui disons souvent, devons tirer l'attention. Parce que, vous savez, après chaque guerre, les puissants, donc les gagnants, se partagent toujours les espaces, les butins. On redessine les frontières. Or, quand vous venez dans les cas de l'Afrique aujourd'hui, vous prenez le nord de l'Afrique. Vous avez une base américaine. Vous avez la base française. L'Allemagne va s'installer aussi avec sa base. Vous prenez la Corne de l'Afrique. Vous avez la Chine. La Chine qui a compris pour ses intérêts et doit les défendre. Vous avez la Turquie. Vous avez le Japon. Ils ont des bases. Or, ces gens-là ne vont pas se battre pour votre bien. Au jour où la guerre éclate, ils vont trouver un compromis, c'est partager l'Afrique. Donc nous sommes sur ce que j'appelle, on est en train de préparer le partage de l'Afrique 130 ans après. Il n'y a que les Africains qui ne comprennent pas. Donc il faudrait que ce que nous faisons ici, du Congo avec notre Église,
qu'il sache où est l'essentiel, où est l'accessoire. Donc il y a une face cachée de cet iceberg là. Que... Voilà, nous avons écouté. L'Africain, en fait, il est maudit. Maudit, oui, comme le frère vient de dire. Le frère vient de dire, le frère qui est aux États-Unis, il vient de dire, je crois, je commence par croire que nous sommes maudits. Mais oui, le peuple africain est maudit. Parce que nous avons écouté ce grand professeur qui a dit que pendant que l'Africain est en train de chercher, parler de la paix, en train de parler d'autre chose, or que les autres sont en train de prévoir des guerres. Et ils sont en train de prévoir recoloniser l'Afrique. L'Africain, il rêve. L'Africain, il croit qu'il est dans un monde de paradis. Mais Emmanuel Macron, qui est à l'Élysée, quand il m'écoute, Emmanuel Macron, il sait que le tiers africain est quelqu'un qui a une tête. Parce que à l'époque, quand j'ai eu à faire des choses pour Emmanuel Macron, pour qu'il ait le plein pouvoir, aller dans toutes les gares, parler aux Français, aller dans les trains, les métros, Emmanuel Macron avait dit, vous voyez ce monsieur-là, il a une tête. Mais Emmanuel Macron, je fais ce direct pour lui aujourd'hui, pour qu'il puisse comprendre que nous les Africains, nous ne sommes pas cons. Nous savons ce qui se passe. Mais ceux qui continuent à dormir, c'est ceux qui étaient aliénés par l'Église. Aliénés par l'Église, importés par Léopold II. La religion, religion étrangère, l'Église catholique, Église de réveil, Église protestante, toutes les églises-là ont aliéné le peuple noir. Ils ont oublié l'esclavagisme. Ils ont oublié ce que nos arrière-grands-parents ont subi. Ils ont oublié. Et ils continuent toujours à glorifier l'homme blanc. Voilà le problème. Nous avons un autre problème. Au Gabon, il y a un blanc qui veut être président. Les Gabonais, au lieu qu'ils se lèvent, silence total. Mais c'est comme si les Gabonais ont oublié que ce blanc-là, celui qui était derrière Ali Bongo, est un homme de la France-Afrique, est un pion de l'Élysée. Mais les Gabonais, est-ce qu'ils réagissent? Ceux qui aiment faire le carnaval à Trocadéro, qui aiment chanter, qui aiment danser, parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est un carnaval. Or qu'avec des barbares, il faut se conduire en barbare. Emmanuel Macron, il m'écoute actuellement quand je parle. Emmanuel Macron aime suivre les réseaux sociaux. Mais je veux dire ceci. Peuple africain, nous devons nous battre. Nous battre pour libérer l'Afrique. Nous devons nous battre. Alors, monsieur Emmanuel Macron, vous avez bien suivi le tiers africain. J'ai mis une image à côté de deux esclaves. Parce que, au fait, le peuple africain, vous nous voyez toujours comme des esclaves. Et à côté, vous êtes là, monsieur Macron, au milieu. Et de l'autre côté, il y a Général de Gaulle. Pourquoi? Parce que Général de Gaulle, c'est le grand architecte du grand chaos de toute l'Afrique. Si aujourd'hui les multinationales arrivent à piller l'Afrique, c'est à cause de Général de Gaulle. Le message doit être dit. Nous allons écouter ceci pour que nous puissions nous séparer. Mais avant de nous séparer, nous allons écouter d'abord quelque chose de très important. Étape par étape, et nous allons nous séparer. Mais avant de nous séparer, nous écouterons d'abord ceci. Thank you.
bon, le dossier est en train de friser. Si ça continue, je vais... voilà. Là, elle me dit le document ne peut pas être ouvert. Ok, tant mieux. Donc, nous allons clôturer. Mais avant que je clôture, je vais lire ce que le frère a écrit. Aucun pays africain n'a une base militaire en Europe, en Asie, en Amérique. Voilà. Voilà, tu as bien compris. Mais il faut comprendre, mon frère. Mes gars, il faut comprendre que l'Africain a peur. Tu vois ce que moi, comme travail, je fais pour parler au président Emmanuel Macron. Il y a d'autres Africains qui peuvent le faire. Mais est-ce qu'ils le font? Ils ne le font pas. Parce que l'Africain a peur. L'Africain a peur parce que l'Africain, il a peur parce qu'il était aliéné. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un d'aliéné. Moi, je suis quelqu'un, un guerrier des guerriers. Et je suis là pour parler. L'Africain, il a peur, tant mieux. Mais moi, je n'ai pas peur. Voilà. Nous allons écouter ceci pour nous dire bye-bye. Le dossier que j'avais envie de faire écouter ne fonctionne pas. Il n'y a pas de problème. Avant, il fonctionnait. Et là, il ne fonctionne pas. Bon, nous allons nous séparer avec ce tube. Mais gars, si tu peux bien écouter ce tube, tu comprendras beaucoup de choses. De l'autre côté, mais les usines Ford et Ford n'ont pas été bombardées. La conspiration globale, les gouvernements invisibles du nouvel ordre mondial nous ont tous pris pour cible. La police internationale des Illuminati va être dans un futur proche, l'OTAN et les Nations Unies. Moi, quand j'analyse l'histoire, je n'arrive pas à y croire. Mes infos sont tellement folles que personne ne va y croire. La première banque privée fut la banque d'Angleterre. Derrière elle, les financiers ne sont pas d'Angleterre. C'est comme la famille royale, elle n'est pas d'Angleterre. Est-ce que Saxo Bank-Gotha est un nom d'Angleterre? Depuis la Révolution française, le but est d'établir une dictature mondiale. Des banquiers sont l'avenir, on est en plein dedans. Demande à Rakowski, dans sa symphonie rouge, on est tout même Trotsky. La famille royale qui détient le pouvoir secret. Communisme, capitalisme, même système pour contrôler. Le problème n'est pas le lobby juif, mais le pouvoir secret. Aucune guerre n'est un hasard, tout est voulu par les banquiers. Petit, j'entendais, mais je ne suis pas un Rothschild. Plus tard, je me suis dit, mais qui sont les Rothschild? Rothschild était la famille qui est derrière l'assassinat de l'archiduc Ferdinand. La guerre mondiale, ça déclencha. Rothschild était la famille qui a financé le nazisme, qui a créé le communisme et qui gère le capitalisme. Rothschild était derrière toutes les révolutions modernes, de la française à la commune, de la bolchevique à tes lourdes cernes. Cherche dans les cendres du 11 septembre, tu comprendras qu'on t'a berner pour mieux descendre. C'est comme le marxisme populaire démagogique qui dupe les intellectuels et la masse qui critique. Tu peux en parler sur ton ordi, mon frère, mais à Dallas, The Beast enregistre tes commentaires. C'est comme la nouvelle tour du World Trade Center, son projet à 1776 pieds de hauteur. C'est la famille royale qui détient le pouvoir secret. Communisme, capitalisme, même système pour contrôler. Le problème n'est pas le lobby juif, mais le pouvoir secret. Aucune guerre n'est un hasard, tout est voulu par les banquiers.
En d'autres termes, le noir est blanc et le haut est en bas. Je ris quand je vois ceux qui croient en Obama. Une marionnette de plus dans le spectacle de la spéculation. Aussi anodin qu'un Churchill dans leur plan d'action. J'ai le flow qu'il faut, je ne signe pas avec le diable. Dans les mains du diable, aucune arme n'est fiable. J'ai la maîtrise de l'histoire plus puissante que leur bombe atomique. Rentre dans mon cercle, c'est Dieu qui t'enlève ton slip. Depuis qu'histoire est enseignée, le 13 t'embrasse. Les 13 étages de la pyramide, les 13 familles, les 13 lettres de et pluribus unum ne sont que quelques exemples de ceux qui se cachent derrière ce qui brille. Derrière Georges Clemenceau, il y avait Georges Mandel. Derrière les témoins de Jéhovah, il y avait Charles Russell. Derrière Tim Horsman, quelle personne se cache-t-elle? Mais derrière Rapping Scott, il n'y a que Mathias Cassel. Voilà.